On a des t-shirts bizarres! On est rendu ce couple. Ouais, on s'habille pareil. C'est extraordinaire! Non, mais c'est... Attends, là, je vais sortir ma feuille. Ah. Tu te lèches les doigts, t'es rendu là? T'es un vieil homme de 71 ans? OK! C'est Amélie Bolduc qui est dans la salle ce soir, qui nous a fait ses chandails. Amélie Bolduc! Yeah! Veux-tu venir voir? Veux-tu dire bonjour? Non, tu veux pas, c'est parfait. Allô? Très heureux, c'est écrit « Ma fille, c'est toi, mais un gars, c'est moi. » J'ai aussi « Big Pussy Energy » puis « Big Dick Energy ». C'est drôle parce qu'avoir un « Big Pussy », je suis pas sûr que pis, c'est... Attends, elle a fait un chandail pour Zoé! C'est mignon, ça! Ça c'est mignon. C'est marqué de « Big »? Her meilleure fille! OK, c'est pas écrit, mettons. OK, bref. Oh c'est mignon, God. C'est mignon. Ça aurait pu être vulgaire, mais c'est mignon. On n'aurait pas appelé la PJ. Fait qu'Amélie, elle a une compagnie qui s'appelle Happy A Million Tie-Dye. C'est sur Facebook, c'est sur Etsy. Elle a parti ça dans le temps sur son Skyblog. Cool! Cool! Fait que voilà. Mais merci tellement, Amélie. On est très touchés, on le porte. C'est vraiment trop... C'est vraiment le fun. Puis j'aime ça, moi, le tie-dye. Est-ce que tu fais le tie-dye vraiment à la main? À pas le micro. Nice! Ben, c'était une question par oui ça ou fait non. Ça deux ans que tu fais ça. C'était pas ça fait si deux pain, ans, là. Tu travailles dans le milieu du spectacle depuis 10 ans. Hey, tu fais tout le temps des vox populi, là, à deux princes, là. Oui, dans les commentaires, si j'ai oui, puis ça marche, là, on les commente. Oui, je dis, hey, ça ou ça, puis les filles commentent, je veux sucer Philippe Audrey. Puis je fais, c'est pas ça la question. C'est pas ça la question, j'ai jamais... Je le sais que vous voulez sucer. Voilà. Penses-tu qu'il se rase? Phil? Ouais. Penses-tu qu'il est très poilu ou il est rasé? Bonne question. Parce que... quand même peut-être un petit peu poilu, vu ses cheveux. Oui. Vu la texture de ses cheveux. Parce que, mettons, il voulait se raser. Qu'est-ce qu'il pourrait utiliser comme produit? Je pense qu'il pourrait utiliser les produits Manscaped. Ah! Wow! Comme ici? Oui! Oui, mesdames et messieurs. Tu es un professionnel. Toi, tu parles aux gens qui n'ont pas le micro, puis moi, je fais des plugs de commandite. Avec le code promo COUPLE20 sur manscaped.com, tu as 20% de rabais et la livraison gratuite. Ils nous ont envoyé ce qu'on appelle le Ultra Smooth Package. Wow. Puis ça contient... Une fille qui est bien trop excitée. Qui a fait « c'est toi qui es trop excitée, génial. » Ça contient les trois éléments suivants. Un rasoir avec 5 lames de remplacement. Il y en a 4 de trop. Mais aussi... C'est qui remplace les lames? Ça coupe un peu, puis c'est correct. Là. À un moment donné, là, t'es un homme ou t'es pas un homme? Tu dis « Oh, je suis un homme, ça coupe un peu. Oh, je change la lame. » Non, non. Tu le prends, là. Puis il y a aussi le Crop Exfoliator. Aussi, les filles adorent les poils incarnés. Mais c'est ça, avec le Crop Exfoliator, là, ouais. C'est un exfoliant doux pour la zone d'entrejambe. Puis le Crop Gel, c'est le gel de rasage transparent pour l'entrejambe. Quand même pratico-pratique, ceci dit. Très pratique. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent un Ultra Smooth Package? Lance-les! Pourquoi j'ai deux micros, là? Il y a la fille en arrière, tu l'auras pas. Je veux pas être plate, là, mais... Bon, ben ça, c'est fait. C'est quoi le code promo déjà? C'est code promo couple 20. Je peux aussi lire un petit peu, tu sais, ce qu'ils nous ont dit, là. OK, gentlemen. Father's Day is just around the corner. OK, fuck. Fait que, qu'est-ce qu'on fait à la fête des pères? Tout le monde se rase la graine, OK? Hey, aussi, il y a des... Si t'es une fille et tu sais pas quoi faire, qu'est-ce qui est, oh my God? C'est écrit... Our friends at Manscaped are here to ensure the dad in your life whoa. Is looking like daddy material.
my God! Hey, à chaque nouveau scénario qu'il nous envoie, je suis... T'es saint d'urcisse. T'es saint d'urcisse. Je veux que ça me débarrasse comme si c'était dégoûtant. Mon amour. Oui. On est allé souper ici ce soir à Trois-Rivières. On a marché sur la rue principale. Oui. Ben, je sais pas si c'est la rue principale. C'est la rue principale. Des Forges. Principale, je sais pas. Centre-ville. Downtown. On était downtown. T'as-tu senti ça? Oui. Oui, on a vu le gars qui était Elvis, qui a une salle maintenant. Oui! Elvis Story. Le gars d'Elvis Story, il a son propre théâtre ici maintenant. On est passé devant. Êtes-vous fier? Ça, c'est... Pas en tout. Les gens sont... Avez-vous honte? Ils ont honte! Nous, on était complètement starstruck. Qui, par applaudissement, a déjà sucé ce gars-là? Personne! Comment il s'appelle? Martin Fontaine. OK, quand tu suces Martin Fontaine, est-ce que... Est-ce qu'il dit « yeah »? Yeah! Comment il est? C'est comme « I'm all shook up ». Est-ce qu'il reste en personnage? Je sais pas. Tu sais quoi? Moi, j'espère qu'il reste en personnage. Ben, je... Parce que personne ne suce parce que c'est Martin Chose. Il suce parce que c'est Elvis. C'est rough. Hein? C'est pas rough, c'est ça. Son hypothèque a été payée de même. Sa vie sexuelle aussi, il est au courant. Là. Mais tu sais, c'est sûr que, mettons, la personnalité d'Elvis a transcendé les décennies. Là. Hein? Elle est forte. Forte ouais, personnalité. Quoi, tu trouves pas? Tu viens de dire, Elvis? Il est saoul. Mais non, mais... On parle encore de cet homme à ce jour parce qu'il était exceptionnel. Ou, à l'époque, il y avait 4 artistes. OK. Mais c'est ça, là. T'avais Elvis, James Dean, Marilyn Monroe, c'est assez. Ma grand-mère, à son centre de personnes âgées, oui. Elle disait tout le temps qu'il y avait une madame qui se prenait vraiment pour une vedette puis qu'elle était vraiment fatigante. Puis maintenant, on était comme, tu sais, comme, oui, mais qu'est-ce qu'elle a, cette madame-là, tu sais, puis es-tu vraiment si pire que ça? Puis elle était là, tu sais. Je sais pas si vous connaissez le gazip de centre de personnes âgées, mais c'est comme une école primaire, là. Oui, avec du sexe. Puis, oui. Ou parce qu'ils baissent. Dans les maisons pour personnes âgées, ils baissent. C'est vrai, mais vraiment. Ils baissent. Puis il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ouais. Fait qu'il y a vraiment une grosse... Ouais, les hommes baissent. Vous êtes dégoûtés. Vous êtes ouverts, vous êtes pas ouverts. Les vieux, ils baissent. C'est ça qu'ils font. Qu'est-ce que t'as d'autre à faire? Denis Lévesque, bientôt, il fera plus de show, là. Fait en plus, plus personne a ses dents. Plus personne a ses dents, fait que c'est délicieux. Mm. Bref, finalement, la madame qui se prenait vraiment pour une vedette, c'était la mère de Martin Fontaine. Wow! Donc, legacy de mère en fils, ils se prennent toutes pour des vedettes dans cette famille-là. Toulouchi. Oh! Je comprends la joke, eh ben. Eh, pas pire. Chérie, j'adore de t'inviter. Oui. Est-ce qu'on l'invite maintenant? Absolument. Pour pouvoir continuer à parler des vieux qui baisent? Oui! Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, accueillez avec énormément d'amour, Pentelis. Mais hop, c'est l'entrée. J'allais sur lui, mais c'est un très mauvais début. Hey, oui, il a choisi son côté de scène. Bonsoir tout le monde. Yeah. Est-ce que tes grands-parents sont en vie? Non, malheureusement. Pensez-vous, jusqu'à quand ils ont baisé, tu penses? Je sais pas, mais mon grand-père avait l'air de moi. Il me ressemblait beaucoup. Mmh. Alors, je pense jusqu'à avant qu'il est mort, ouais. Peut-être qu'il est mort de ça. Son cœur a lâché. Ouais. Ça se peut. Son cœur a lâché, ouais. Arrête de niaiser, ouais. Et penses-tu que ta grand-mère était cochonne? Je pense pas. Non? Non. Elle était trop prude, tu sais. Ah, mais c'est plus cochonne, ça. C'est ça que tu penses? Mais non, moi, je la connaissais, bro. Ah, mais... Il y a des choses qu'elle dévoilait pas. Peut-être c'est une pute, I don't know. Ça se peut. Tu sais jamais. Mais je pense pas. Jamais! Je pense pas. OK. Ça, c'est ma grand-mère, mon grand-père de ma mère, les parents de ma mère. Mm-hmm. Mon père, j'ai jamais connu mon grand-père. C'était un criminel, il est mort en prison. Okay. Wow! Ben, ouais. Je veux tout stocker. C'est quoi ces crimes? Il a tué quelqu'un. OK. Ouais. Qu'est-ce qu'il lui reprochait? Le gars qui a tué, c'est parce que le gars, je pense, sortait avec sa sœur. OK. Puis après, elle est tombée enceinte. Puis le gars a dit, fuck cette bitch. Alors, il est allé, mon grand-père, pas un gars intelligent, il est allé devant tout le monde dans le comme market. Ouais.
Il a dit, hey, toi, viens ici. Puis il a fucking commencé à le stabber. Oh! Il a tué. Il a dit, c'est ça qui se passe quand tu prends ma soeur pour une pute. Puis il est allé en prison. Ouais. Ben oui. Mais je l'ai jamais rencontré. Wow! C'est un. Wow! OK. Ouais. Au marché Jean Talon, ça? Ou. Les tomates? Les tomates? Juste en avant du Centre Bell. Non, c'était en Grèce, sur l'île de Crète. Oh là là! Wow. Ouais, c'est drôle parce que le village, est comme le nom du village, où mon père vient de ça, le nom c'est Phonès. Phonès, que moi je pensais venait du mot grec phos, lumière. Mais ça vient du mot phoniades, meurtrier. Oh! Puis c'est à cause de ma famille. Ah! Ah! Ben, j'avoue que ça traumatise un peu tout le monde, là. Quand tu fais. Ben, écoute, je suis pas avec sa soeur. Ben, non, mais tout le monde est au marché le dimanche en train d'acheter ses affaires, puis là, lui, il règle les comptes de sa famille. Oh, il y a des vendettas. Quelqu'un voulait me tuer en 2003. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais jeune. J'étais à la plage. Oui. J'étais en vacances. Puis j'ai vu une fille, elle était fucking cute. Alors je parlais juste avec elle. Puis mon père, il était là, il m'a vu. Après que j'ai terminé, j'étais allé le voir. Puis lui était là avec son fucking agneau préféré. Et il y avait un agneau qui. Il y avait un agneau préféré. En 2003, il y avait un agneau que moi, ça me faisait honte parce qu'il mettait même sur son petit motorbike. Tu sais, pas moi. Moi, je marchais, mais son fucking agneau était là. Il préférait l'agneau à toi. Ouais. Ouais. Puis il s'en foutait de moi. Je sais ça parce qu'il m'a expliqué cette journée-là, c'est quoi le vendetta en Crète, ils ont ça. Puis il m'a dit, hey, tu parlais avec cette fille-là. Je dis, ah ouais, ouais. Moi, puis son père, sa famille, ça va pas bien, on se déteste. Alors maintenant, c'est qu'est-ce qui va arriver? Son père va te tuer. Alors moi, je dois attendre qu'il te tue. Puis dès qu'il te tue, moi, je dois tuer la fille puis lui en même temps pour qu'il me tue pas. T'sais? Moi, j'étais comme. Ton père est pas relax. Ouais, moi, je dis, bro, retourne à moi, bro. Je veux pas qu'il me tue. Ouais. Juste, on arrête avec moi. Moi, je vais plus la parler. Là, ils vont pas me tuer et t'auras pas besoin de les tuer. Elle dit, ah, oh, ouais, ça, c'est une bonne idée aussi. Il était prêt pour la vendetta. Il voulait tuer le gars. Il aurait dit, OK, je vais sacrifier mon fils, puis là, je peux le tuer. Ouais, c'est des fous là-bas. J'aime que peut-être qu'il aurait pas agi comme ça s'il voulait tuer l'agneau. Là, il aurait. Non, l'agneau était spécial. Ouais, je. Oh, wow. Mais pourquoi il était si spécial cet agneau? J'ai jamais demandé. Moi, j'étais juste comme. C'est-tu une joke? C'est-tu comme ton. C'est ton bizarre pet? Que tu dises ça. Mini parenthèse. Les Grecs et les petits animaux, il y a une bonne relation. Je fais ça vite. Oui, au plein. Je sais de quoi ça a l'air. Je me réécoute, puis c'est pas bon. I'm listening. Vous connaissez les Cubs de Chicago. Les Cubs de Chicago, longtemps, ils perdaient à cause d'une malédiction. Okay. Parce qu'il y avait un immigrant grec qui allait avec sa chèvre au match. OK. C'est vrai. Et une fois, il s'est fait mettre dehors du match. Il dit, tu peux pas amener ta chèvre. Puis il a fait, ah ouais, vu que tu as manqué de respect à ma chèvre, ton équipe va jamais gagner. Ça a été vrai pendant des centaines d'années. Tellement que pendant les années 70, ils ont... Centaines d'années. Ouais, ils ont gagné dans les années 2000. OK, mais... Oui. Mettons 50 ans. Non. Les Cubs, je pense, c'était en 1903, puis ils ont gagné genre en 2011. Oh oui. OK. C'est ça, oui. Fait qu'une centaine. Tu es d'accord, tu connais le baseball? C'est quand même spécial. Oui. Et ma mise, ils n'ont vraiment jamais gagné à domicile. Pas à domicile, la Série mondiale. Oh, OK. Ce qui s'est passé, c'est que pendant les années 70, je crois, il y avait une longue séquence de défaites. Ils ont fait venir le petit-fils avec une chèvre, puis ils ont gagné ce match-là. C'est vrai, ça? Oui. Ça, je ne savais pas, mais je savais à propos de la chèvre. Oui. Oui, parce que les Grecs sont magiques. Il y a les petits animaux, puis il y a des mauvais sorts. Il y avait où son père était sur les agneaux, j'ai pas tort! Mais mon père n'était pas magique. Mais la vendetta, c'est un mauvais sort! Ah, tabarnak! Là, vous faites à croire que, oh non, les Québécois, on est ouverts. Mais on peut être ouverts, puis dire que les autres peuples, des fois, sont spéciaux. Là. Les deux sont possibles. Ouais. Les deux sont possibles. On doit dire la vérité. Oui, on doit dire la vérité. Il était à la limite un trésorique, mon père. Okay? Oui, à la limite! C'est pas un comportement normal. Non, c'est pas normal. Personne sait encore si la joke est raciste. Tout le monde est juste en train de voir... C'est pas raciste. C'est très raciste. Je suis là pour confirmer que ce n'est pas raciste. Je suis un peu raciste, puis vous m'aimez un peu pour ça. Ou vous me tolérez. Faites Thomas, ça, c'est le gars un peu raciste. On a tous des défauts. Il y a un gros nez, il est raciste. Parle fort. Poseidon n'est pas là pour imiter la chèvre. Non, Poseidon n'est pas là. Vois que Poseidon est en vacances. Ouais, et en Cuba, maintenant, il revient demain.
Oui, wow. Mais les gens ont le droit de prendre des vacances. Pas ça aide de moins. Ouais. C'est pas une gars qui... C'est... Il est fatigué de quoi? Il mérite pas des vacances. Il va récupérer de quoi? Là? Les vacances, ça se mérite. Lui, il mérite pas des vacances, ah oui, mais il est là. Toi, t'as pas de vacances, pas ça aide de loin. Ah ouais. C'est vrai que c'est un peu fâchant. Okay. Ouais, il revient demain soir. C'est la première fois qu'il va à Cuba, oui, sans être une touriste de sexe. Ah. Alors, c'est spécial. Ouais. Oui, ben il est là-bas avec sa blonde. C'est pour ça, moi je trouve que ça va être drôle. Je pense qu'on va en parler. Là. Si sa blonde, il est là avec sa blonde, il nage avec des dolphins, puis il y a une prostituée qui le voit, puis comme « Oh, pour ça, tu es de retour! » Ça va être incroyable. C'est ça que j'attends, moi. Je veux voir ça, sa réaction. Parlant de prostitution et du sud et de sexe. Oh. Oui, je m'en vais pas, vous pensez que je m'en vais. T'as, pour vrai, des fois je suis bon, aujourd'hui c'est pas ma meilleure journée. Elle est quand même bonne jusqu'à présent. Ouais. J'étais avec une ex au Mexique et on marchait dans la ville, main dans la main. Et il y a un gars qui s'est pointé. Puis il m'a dit « Yo, you want girls? » Je dis « Non, c'est gentil, j'étais avec ma blonde. » « Okay. Do you want cheap girls? » Et j'ai trouvé ça très drôle. Qu'il s'est dit « Veux-tu de la prostitution? » Non, ça, c'est parce que c'est trop cher. « Veux-tu de la prostitution de basse qualité? » Ça m'a fait. T'as-tu pris le deal ou non? Dis, termine l'histoire. Oui. J'ai pas... Non. Peut-être ton ex l'a fait « Moi, oui. » Combien? Des cheap girls au Mexique. Girls. Ah oui, ça peut être de la fun. Oh. Fait qu'il va souvent à Cuba pour faire l'amour à des femmes. Ah, lui? Pas souvent, je pense deux fois. C'est beaucoup, ça. C'est beaucoup pour un gars qui habite à Montréal puis on a fucking des prostituées partout. Oui, oui, c'est oui. Beaucoup, ouais. Les personnes qui disent ce qui manque à Montréal, c'est de la prostitution. Ouais. Non, c'était spécial. Quand, et tu sais, on avait parlé de ça sur Too Drunk Minimum avec Mike, mais il y avait une prostituée là-bas où il est tombé en amour avec elle pour comme un mois. Mm. Puis il voulait la ramener à Montréal. Puis moi et Mike, on était comme, OK, bro, arrête. Like, on va te fucking tuer. C'est clairement une scam. Mm-hmm. Parce qu'il est comme, oh, envoie-moi de l'argent avec PayPal puis tout ça. Non, ça, c'est de la prostitution. C'est pas un scam, c'est ça le deal. Ouais. Je dis, non, bro, arrête ça. Puis après, il est comme, oh, ouais, je pense qu'elle veut prendre mon argent. C'est oui, elle le dit, donne-moi ton argent. C'est vrai, ouais, c'est ça. Puis le pire, elle savait même pas qu'il y avait pas d'argent. Ouais. C'est ça. Le pire, lui, il travaillait pas dans le temps, tu sais, c'était au début. Je comprends. Alors, elle essayait, elle pensait, oh, c'est un gars riche, il vient ici, puis il fourre toutes les prostituées. Ouais, parce que ça coûte 3 piastres, c'est pour ça. Like. Oh, comment t'as rencontré Poseidon? Dans un club de sexe, non. Quand je jouais de hockey avec mes amis, on avait une équipe dans une ligue, puis un de mes amis, un jour, il l'amène avec lui, puis il dit, écoute, ça, c'est un de mes meilleurs amis quand j'étais petit, il m'énerve. C'est ça qu'il m'a dit, il m'énerve, il est fucking insupportable. Peut-être tu peux trouver une job pour lui à faire pour aider l'équipe. Alors moi, j'étais comme, OK, écoute, tu peux laver nos équipements, puis mettre les bouteilles d'eau, puis tout ça. Puis il était toujours là avec une chaîne, puis des lunettes de soleil, en arrière du banc. Alors toutes les autres équipes étaient comme... C'est fucking qui? C'est un gars de mafia? C'est qui lui? Puis il avait une face comme ça, toujours fucking fâché. Alors, c'était tu connais pas Poseidon, tu l'essayes pas, man. C'est ça. Alors pour nous, c'était bon parce que c'était une fucking jeu psychologique qu'on jouait avec les autres équipes. Après, il commençait à venir avec moi mes shows d'humour et tout ça. Je commençais à être un peu ami avec lui. Puis après, j'étais comme, ah fuck, c'est juste. C'est un jeune gars, il a l'air stupide. C'est pas qu'il est stupide, il a plein de choses qu'il n'a pas connues. Il n'y avait pas un grand frère, quelqu'un lui montrer des choses. Alors, c'est pas un imbécile, c'est un gars très sympathique. Il faut pas, il apprend très vite. C'est ça. Puis c'est juste, il y a plein de choses qu'il n'avait jamais appris. Alors, moi, j'étais comme, oh shit, t'as jamais vu ça, t'as jamais entendu parler de lui, whatever. Il a commencé d'être mon ami. Puis après, moi puis Mike, quand on a fait tout le jeu avec Minimum, ça marchait pas avec nos invités anglophones à Montréal. Il n'y a pas assez de gens drôles. Puis, ouais, c'est la vérité. Puis Mike a dit, shit, on est fucké, on va faire quoi, 5 épisodes? Moi, je dis, yo, je connais quelqu'un, il est fucking bizarre. Je peux aller, puis on peut le bully. Alors, on amène Poseidon, on le bulliait extrêmement au début. Puis après, Poseidon était trop stressé à cause du bullying. Alors, il prenait une semaine on, une semaine off. Oh. Ouais. Parce qu'au début, il savait pas, il pouvait pas comprendre qu'on l'aimait. Je comprends. Ouais. Parce que moi, il me connaissait, mais Mike, il connaissait pas Mike encore. Alors, ça a pris comme 2-3 mois, puis il était comme, oh shit, Mike m'aime. Tu sais, il me niaise parce c'est que. C'est pour le show. Ouais. Exactement. Alors, mais après ça, quand il est rentré dans le game, là, tout est déchiré, puis c'est parti, puis c'était du fun. Ouais. Puis maintenant, c'est un de mes meilleurs amis. Il est super, parce que je l'adore. C'est un bon gars. Ah oui. Un bon gars, il est drôle, il est touchant,
il est ouvert. Loyal. Ouais, loyal. Mm. Il est super. Il voulait briser les genoux de Gad Elmaleh. Ouais. Il demandait à tout le monde, c'est où son fucking hôtel? Puis, ouais. Puis c'était Mike qui dit, non, non, fais pas ça, bro, c'est de l'humour. Puis moi aussi, j'essayais d'expliquer, on n'est pas à Parkex, bro, on peut pas faire ça. Je suis un professionnel, mais non, arrête, parle pas comme ça. C'est facile de sortir un gars de Parc Extension, mais sortir par extension du gars, c'est plus long. Ah, oh, c'est très difficile. Ouais. Comment est-ce que vous décriveriez Parc Extension aux gens de Trois-Rivières? Ah ouais, hein? Imagine, le cowboy, mais c'est juste du monde comme lui. Le cowboy à Parc Ex, personne ne le remarque. Ouais. Personne. Non. Est-ce que Parc Ex est un quartier à Montréal? Ah, c'est un quartier à Montréal. On a beau essayer de décrire le cowboy à. C'était un quartier dangereux quand on était petit, plein de criminels. Mm-hmm. Comme on sait, pas des bons criminels, mais c'était quand même des criminels. Ça, tu sais, des beaucoup de des criminels de genre fraude de carte de crédit. Toutes. Mm-hmm. Pas mal toutes. Ouais, toutes les crimes que tu veux. Kidnapping. OK. Beaucoup de meurtriers. OK. Ouais. OK. Ça, c'était juste sur ma rue. Dans son bloc. Ouais. C'était vraiment agressif. Ouais. Puis là, ça s'est calmé un peu avec le temps? C'est quoi? Je pense. J'entends des choses aussi. Il y avait une... quelqu'un s'est fait poignarder, ça fait 2 jours. OK. Ouais. Au marché, le dimanche, devant tout le monde? Devant tout le monde, mais dans un café. Ah, oh! Il y avait un café, le gars est rentré, il y avait des problèmes ensemble, puis on... J'imagine. J'imagine. Le pire, si c'était un café grec, alors je suis sûr que le gars était grec, alors j'ai dit, oh fuck, tu me fais honte, bro. Like, je suis le seul grec en humour à Québec, puis j'ai l'air d'un fucking criminel à cause de vous. Personne. Arrêtez. Personne pense ça. Mais tu vois, on n'était pas au courant. Je viens de gâcher. Oui, c'est problème. Ça. Est-ce que t'es né en Grèce? Je suis né à Montréal. T'es né ici? Oui, oui. Fait que c'est tes parents qui sont venus ici? Mes parents. Ça fait très. Ouais. Toi, t'es correct, pas tes parents. Non, mais je vais juste savoir. Non, mais. Toi, t'es né ici? Pas tes parents, mais tes parents. Qui t'es venu ici? Au début, c'était en Alberta. OK. Wow. Ouais. Après, à Toronto. Après, moi, ici. Quiconque je suis né ici. Émigre en Alberta va mal. Je vais te dire quelque chose. Dans les années 50, 60, quand le monde venait ici, c'était différent. Hein? Les immigrants qui venaient ici, les Italiens puis les Grecs. Premièrement, le gouvernement grec et italien, je sais ça pour les deux pays, je ne sais pas pour tout, se faisait payer. Ouais, c'était comme des main-d'œuvre que tu achètes. Oh! Ouais. Puis t'envoyais quelque part. Ouais, ma mère avait 17 ans quand elle est venue ici. Wow! Ouais, elle est allée en Alberta, elle travaillait là-bas, après à Toronto, puis après elle a connu mon père. Puis on est venu à Montréal. OK. Ouais, ils ont eu ma sœur, puis après moi. Ouais. Cool! Ah, t'as une grande sœur. Non, mais cool. Ouais, j'ai 3 sœurs. 3 sœurs? Ouais. 2 cool. En Grèce, puis 1 qui est ici. Ah! Ouais. C'est le fun de grandir avec plein de filles? Ouais. Puis, tu sais, mes parents étaient séparés, alors moi, j'ai grandi avec ma mère puis ma sœur. Alors, j'étais toujours entouré de femmes. Ah! Ouais. Comment est-ce que... Ah, c'est drôle! Je trouve ça fun, pour vrai. Je trouve ça cool. Mais... Oui, mais c'est parce que puis moi, j'ai grandi comme entouré d'hommes. Fait qu'on dirait que je suis comme... C'est comment? C'est vrai. C'est comment grandir? Mais pour toi, c'est ta normalité. Puis nous, on est juste comme... What? Mais je connais pas la différence. J'ai jamais eu comme un grand frère. Mm-hmm. Le seul moment où j'ai eu un grand frère, c'est Mike Ward. C'est lui mon expérience d'avoir quelqu'un comme ça. Mm-hmm. Alors, c'est pour ça que c'est magique, tu sais, avec lui. Mais j'ai jamais eu ça avant lui. J'ai des bons amis, mais jamais quelqu'un que... Tu sais, on est comme ça. Mm-hmm. Ouais, jamais. Et rappelle... Comment t'as rencontré Mike déjà? Club de danseuses. T'es sérieux? Mike, non. Pas. C'est moi puis Mike. Non, tu veux... non c'était... je faisais... C'est fucking... Mike, quand il dit l'histoire, c'est meilleur que quand moi je le dis, mais... ouais, il a dit ça sur des podcasts. C'était vraiment... Mike, il cherchait une co-host pour faire Two Drink Minimum parce qu'ils ont offert le contrat Camp en Media de New York. Mm-hmm. Puis il a dit, OK, je peux le faire de Montréal parce que j'ai trouvé un humoriste ici. Puis on va juste enregistrer, puis vous l'envoyez, puis chaque vendredi, vous allez faire le premiere de notre show. Il faisait, avec des humoristes que tu connais, je pense, il faisait des test runs, ça marchait pas. Mm-hmm. Il a décidé, il dit, OK, je peux pas faire le podcast, on n'a pas un humoriste ici à Montréal qui a la sensibilité ou l'humour en anglais pour le faire. Puis il est allé à une show dans une fucking shop de bicyclettes, puis moi, j'étais là aussi. Puis moi, je pensais que ça va être mon dernier show. J'étais prêt à... À tout lâcher. Parce que tu fais des shows de bicyclette. Écoute. Ça va pas bien. En anglais, c'était la même année où je faisais tout. J'étais allé au Comedy Store, je faisais le Ice House. Je faisais plein de choses en anglais, plus que tout le monde d'autre. J'avais fait mon showcase pour Juste pour rire.
J'étais le fucking meilleur, j'ai eu une standing ovation, puis rien, ils m'ont rien donné. Alors j'ai, c'est impossible en anglais que je perce. Alors puis c'est la dernière soir, je dis ok, j'ai confirmé que je vais aller. Je rencontre Mike, il me voit au backstage, je bullie le monde puis je riais. Il adorait ça. Il était comme, ah, oh, shit, lui, c'est comme un gars de New York. C'est comme ça qu'il m'a décrit. Après, il m'a vu sur la scène. Et puis, il vient me voir et dire, ça va avoir l'air gay, mais c'est vrai. J'aimerais ça avoir tes coordonnées pour t'envoyer de quoi. Veux-tu faire un podcast avec moi? C'est de quoi tu parles? Il dit, ouais, je veux juste te parler. J'ai une idée pour un podcast. J'aimerais le faire avec toi. Moi, je pensais qu'il me niaisait. Tu sais, c'est un gars qui veut me fourrer. Alors, puis, il peut avoir l'air gay, Mike. Il peut avoir l'air d'un bonhomme. Ah, ouais, moi aussi. Ouais. Moi. Ouais. Mike a l'air d'un bonhomme. Mais il n'y était pas. Qui a une soif. Tu vas jamais être assasié. Non. Il a l'air d'un bonhomme que tu sais que quand tu sors de sa chambre, un autre s'en vient. Puis moi, j'avais fait un petit studio de podcast sur Crémazie dans le temps. Alors, je dis, shit, j'ai un studio, on peut le faire. Je dis, oh, ça, c'est magnifique. On a fait ça, on a envoyé le tape à New York. Ils nous ont vus ensemble. Ils ont dit, oh fuck, ça marche. Wow. Alors, c'est comme ça que tout Jungman a commencé. Mais pour l'annoncer, c'est pour ça que je pensais que Mike fuckait avec moi. On était supposé de l'annoncer à New York, live, sur le Artie and Anthony show, Artie Lang puis Anthony Cumia. Moi, j'avais jamais allé à New York dans le temps. Alors, on book les billets. J'arrive à l'aéroport. Mike est pas là. Je dis, OK, ben, il va être en retard, il va venir. Il commence, j'envoie des textes, il répond pas. Je l'appelle, il répond pas. Après, c'est le temps de border. Je rentre, je suis assis, il n'y a personne à côté de moi. Finalement, Mike m'appelle, je suis dans l'avion. Il dit, oh fuck, j'ai bu beaucoup hier, je viens de... Moi, je dis, oh shit, il me niaise, je suis déjà dans l'avion. C'est juste une gag, il joue une gag avec moi, c'est impossible. Puis il dit, je vais essayer de trouver un vol plus tard. Moi, je suis jamais allé à New York, c'est pas moi qui ai booké le Airbnb. Alors moi, je dis, OK. Je raccroche, j'arrive à New York, j'ai ma valise, puis j'avais une fucking grande valise parce que j'étais con, pour 2 jours, tu sais, j'avais toute une valise comme ça. Je sors comme un immigrant. Oh my God, tu sais. Hein? T'es comme Vito Corleone dans le Parrain 2, là. Puis Mike m'envoie, écoute... Est-ce que tu m'as chanté? Pour trouver les clés du Airbnb, j'étais allé dans une dépanneur chinois. Le gars me crie, il comprend pas qu'est-ce que je veux. Moi, j'avais une valise. I'm looking for keys. Tu sais, c'était épouvantable. Après, j'arrive, je rentre, si je mets ma valise, je regarde, je dis, oh fuck, c'est une gag. C'est une fucking practical joke. Mike va pas venir, il n'y a pas de show. Il niaise. C'est ça que je pensais vraiment. Je pensais que c'était juste une gag vraiment élaborée. Hein? Puis il dit, oh shit, bro, c'est humiliant. Tu sais, mais réussi. Dans une autre ville. Mais ouais. Réussi, c'est mais lui, bon. Ouais, c'est réussi quand même. Mais lui, il arrive, et comme, je te niaisais pas, con. Je te niaisais pas, c'est juste que je bois trop. Puis ouais, après, on a fait le show, puis tout ça a commencé. Puis ouais. Puis Mike, c'est bizarre parce que Mike, dès que je le connais, depuis cette soirée-là, c'est comme si je le connaissais toute ma vie. Wow. Ouais, c'est la seule personne où j'ai cette connexion humoristique avec. Mm-hmm. On n'a pas besoin, on peut se regarder, puis on sait où on s'en va avec la gag. C'est, ouais. C'est comme si c'est mon frère. Ouais. Wow. Je savais pas que vous ne vous connaissiez pas avant d'avoir commencé ça, puis jamais j'aurais pu penser. Non, c'est ça, c'est, tu peux pas contrôler ça avec qui tu mèches, avec la chimie, puis tout ça. Ouais. C'est, ouais. Wow! Oh my God, c'est vraiment une belle histoire. Ouais, je suis content. Ouais, c'est cool. Maintenant, on est international, on bully Poseidon pour plein de monde, c'est vrai. C'est fantastique. Ouais. Mais toi, tu fais la tournée avec Mike. T'as-tu ouais. des. C'est, tu fais le tour du Québec pour une première fois dans ta vie? Oui. Quelle ville t'a marqué? Fermont. Oh! C'est pas une ville, c'est, ben, c'est une fucking, spécial. C'est une mur, mais. Explique, c'est quoi cette Fermont pour ceux qui savent? Fermont m'a marqué, oui, parce que c'était bizarre. Oui. Oui. C'était bizarre. Même eux, ils le disent, ouais, ouais, ouais. Mais le monde était fucking chaleureux. Puis j'ai vu le pouvoir du podcast. On était dans le mur. Puis avant le show. Non, mais pour ceux qui ne savent pas, Fermont, c'est, je crois, si je me trompe, corrigez-moi sur Internet, vous le faites souvent. C'est une ville où minière, et où c'est très, 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 très loin, puis il y a des vents tellement violents qui ont construit un mur, ouais. Et la ville est dans le mur, parce que tu peux pas vraiment survivre dehors. Tu vas mourir de froid, et c'est... Ouais, vraiment, vraiment froid. Tout le monde désertique. Est sorti de l'auto pour prendre des photos, ouais. Puis j'étais tout seul dans l'auto. Puis la madame était comme, tu veux pas sortir prendre des photos? J'ai dit, j'ai pas besoin de fucking photos, c'est froid, ferme la porte. Alors, oh, ouais, ouais. Alors, Fermont, c'est une ville c'est ouvrière. Dans... Les gens, ils vont là pour travailler, puis ils repartent. Là. C'est une ville pour faire de l'argent. Il y a un club de danseuses. Ouais. Dans le mur. Ouais, ouais, il n'y avait pas de danseuse, on était là. Il n'y avait pas de danseuse. C'était juste nous, on buvait. Tu peux avoir des danseuses, ils vont venir d'où?
Mais c'est une manière de faire. Le club est là. Ouais. Mais dans le fameux mur, là, finalement, c'est comme si c'était un immense building, puis la majorité de la ville est là-dedans, puis il y a des logements aussi. Ouais. Ce qui fait en sorte que quand tu fais un show au théâtre dans le mur, il y a des gens qui arrivent en pantoufles. Ah, c'est génial. Ouais. Parce que c'est tout connecté. Ça m'a marqué parce que moi, Mike P. Preach, on marchait, on voulait chercher de la nourriture. Puis Poseidon, je sais pas où il était, où dans, je pense qu'il était dans la chambre. Il cherchait les chiquets ou whatever. Puis il y avait un gars qui nous a arrêté. Il y a un club dans ça, il trouvait danseuse. Mais, non, il cherchait, il trouvait pas. Il en avait pas. Mais il y avait un gars qui nous a arrêté, puis il était fucking excité de me voir. Ah, Panther, j'écoute le Frenchcast, je suis excité qu'il était là. Puis Mike commence à rire, puis il dit, tu vois le pouvoir des podcasts, t'aurais-tu pensé qu'on vient quelque part comme à Fermont? Le gars voit moi et voit Preach, et comme, ah, Mike Ward Preach, mais excité de te voir en français. C'est pas bizarre? C'est le pouvoir des podcasts, ouais, yeah. Parce que le reach, ça va loin. Ouais. Vraiment. Ouais. Puis, c'est comment jouer en français? Parce que là, tu le fais de plus en plus. Tu as une heure complète en français. Oui, j'ai une heure complète. On va le faire ça cet été pour juste pour rire. Yeah! Alors, c'est ça, ouais. Ça va être annoncé dans 2 semaines, mais je dis ça à eux. Ici. Oui. Ouais. C'est quoi tes dates? Le 24 juillet, dans une salle à Place des Arts. Claude Léveillé. Claude Léveillé, ouais, oui. Merci beaucoup. Ouais. C'est ça, à 8h, je pense, 7h, 8h. Ouais, non, 4h du matin. Ça va être fun. Ouais, ça va être fun, ouais. Pantelis, le dernier des vrais, c'est ça le titre. Yeah! Super titre. Ouais, ouais. J'ai réussi à voir le gars qui fait les album covers pour Anthrax et Sabaton. Il a fait mon cover, ouais. C'est nice. Ouais, je voulais quelque chose comme ça, un peu de thrash. C'est unique. Ton affiche est unique, c'est parfait. Votre affiche est unique aussi pour le festival, avec le VHS qui a tout le sperme. Yeah! Ouais. Hein. Mais sort de bits. Mais j'aime ça en français, j'aime ça. C'est drôle parce que je suis plus confortable en anglais, c'est bien sûr, mm-hmm. J'ai de l'accent. Mais j'ai plus de fun en français parce que c'est un peu plus difficile. Mm-hmm. Quand je réussis à faire le monde rire, c'est une plus grande récompense parce que moi, je travaille. C'est pour une heure que je travaille. C'est pas facile. Comme en anglais, c'est vraiment facile pour moi maintenant. Pas en français, mais c'est plus fun. Mm-hmm. Wow. Ouais. Vous voyez ça, on est tough, gang. Non, c'est pas que vous êtes top. C'est une blague. C'est quoi? C'est le contraire, parce que tout le monde dit « Ah, ça va, t'as l'accent, ils vont pas t'aimer, les Québécois vont pas t'aimer. » Les Québécois même, bro. Les Québécois sont fucking cool. Oui, très. Yo, l'aimez-vous? Ah. Yo, arrête de... Je sais pas de quoi... Arrête de dire Mathieu Bock-Côté, là, il te rend ça dans la tête, là. Non, moi, j'adore ça. Je vais partout, j'ai jamais eu de problème, c'est le contraire. Puis, comme je te disais, j'avais la discussion aujourd'hui, puis je dis au gars, parce qu'il me dit « Ah, je veux te voir, mais tu fais tout ça en français, je sais pas si je vais te comprendre. » Puis c'est pour ça que je dis « Bro, si moi je peux traduire et faire l'humour en français, tabarnak, bro, tu dois être capable d'au moins commander des frites en français, bro, à Montréal. Ouais. » Like, c'est... Ouais. Je veux la frite, c'est tout. La ligne de honte commence là. Ouais. La poutine de ma bouche. Ouais, ça, c'est... Par favor. Je déteste ça. C'est pour ça que même dans mon stand-up, je parle pas anglais. Oui, j'ai l'accent, mais j'essaie de, avec toute mon énergie, mon mieux, de faire ça en français à 100%. Parce que quelqu'un qui vient, je sais pas s'il peut parler en anglais. Il vient pour voir une show en français. Mm-hmm. Alors, je peux pas faire le moitié en anglais parce que lui, peut-être, il va pas comprendre. Je viens de gâcher sa soirée. Mm-hmm. C'est? Je comprends. Sa soirée, ouais. Est-ce que dans quand tes amis d'enfance, tout ça, il y a beaucoup de gens qui parlent français ou t'étais complètement dans un univers anglophone? Dans ton quartier aussi, Parkex, c'est... Mon quartier, c'était plus anglophone. Mon école, c'était tout en français. Okay. Mais c'est à cause de mon école. Mon école, c'était trop agressif avec le français. Ouais. Moi, j'étais suspendu parce que je parlais en anglais après l'école. À l'autre bout du rue, j'attendais pour l'autobus. Ils m'ont arrêté à l'arrêt d'autobus. Ouais. Je respecte ça. Ouais. Parce pour que vrai, tu parles anglais à l'arrêt d'autobus. C'est ça cool. Arrête. Non. C'est pas. Je te dis, c'est pas la bonne manière parce que mais l'agression. Tu parles français d'Avarnac. Mais non. Ça marche. Mais non. Mais c'est à cause de Mike. C'est Mike qui m'a poussé beaucoup. Mais avant ça, il y avait des amis qui parlaient pas. Lui aussi, d'arrêter. Aussi. J'avais. Puis, j'étais frustré avec le français à cause de mes expériences. C'était trop agressif. Je comprends. Alors, je vois ça maintenant, puis je dis au monde, arrête de faire ça. Mm-hmm. Arrête de faire ça parce que c'est la sens inverse. Ça fait complètement le contraire. Personne veut parler la langue de la police puis de l'oppresseur. Ouais. Non, mais c'est ça. Si tu réagis comme ça, t'as pas besoin de réagir comme ça. Je comprends. Le gars était un peu agressif. Tout le système là-bas, c'était un peu agressif, trop agressif. Je pense que si, mettons, en humour, ça marche plus, là, parce que je dis quoi de fucked up. Mike, le gars qui arrête des allophones parce qu'ils parlent pas en français. Mike, ce gars-là.
Où est ce gig-là? Oh, la police de la loi 101. Oui, la police de la loi 101, mon chapeau. Puis c'était un prêtre aussi, le gars. C'était mon... ouais. Je vais donner, je vais donner des copies de Speak White aux, aux enfants. Speak White. C'est un grand poème québécois. Mais je pense pas... Je sais pas si ça arrive maintenant. Qu'on lit à soir, Speak White? Non. OK. Je sais pas si ça arrive maintenant. Je pense qu'ils sont calmés. Pas. Speak White? Non. Non, non, non. Je veux dire comme les écoles. Je sais pas s'ils font ça. Mais c'était agressif. Il y a un débat. Non, je pense pas que personne se calme par rapport à l'autre. Ouais, il y a eu un débat récemment à cause qu'ils voulaient mettre plus de cours de français, je pense. Puis en tout cas, ça l'a bardé encore. C'est rare qu'on se calme par rapport à la langue au Québec. C'est la manière qu'on aborde ça qui est le problème. Parce que en vérité, écoute, on est à Québec. Mm-hmm. Tout le monde qui va à l'école ici devrait être capable de parler français et anglais, moi, je pense, à 100% parce que français, parce qu'on est à Québec, puis anglais, parce que c'est la langue. Oublie, on n'est pas en guerre. C'est pas les années fucking 1800, là. C'est, on n'est pas en guerre avec les fucking l'Angleterre. On s'en fout. C'est à cause que c'est la langue internationale. Mais les deux devraient être à 100%. Tu devrais être... Tu ne devrais pas avoir un accent. Tu devrais être comme Mike Ward. Tu peux parler les deux langues au complet pour que... Mike Ward a un accent, par contre. Tu gardes la... En anglais? Un peu. Non. En français, non, il n'y a pas d'accent? Un mot qu'ils disent mal. Quoi? Pizza. Il dit pas pizza, il dit pizza. C'est la seule, c'est le seul nom. Mais tu devrais être capable. Ah, parce, parce qu'il dit pizza pour la pizza à Peter McCloud. Ouais. Mais hein, c'est ça. Mais tu... C'est vrai. Mais c'est Peter. C'est toi que tu m'as mis au courant qu'il a une petite main. Ouais. Comment est-ce qu'il fait les fucking pizzas, bro? Elle est en forme de 8. C'est pas lui. C'est pas lui, c'est du bullshit. C'est pas lui qui fait les pizzas, c'est une autre nain. Je sais pas. Mais. Moi, je pense qu'ici, on devrait parler les deux langues au complet. Moi, je pense que c'est fou qu'on a des gens anglophones à Westmount, on va dire, s'ils vont au centre-ville, puis les choses se passent en français, bro, c'est comme des nouveaux immigrants. Ils peuvent même pas commander quelque chose. C'est incroyable. Mm-hmm. On peut pas faire ça. C'est à cause de la manière où laquelle on aborde ça. C'est trop agressif. Puis, oh, moi, je parle anglais, moi, je parle français. Bro, tout le monde doit savoir les deux fucking langues, une pour la culture, puis l'autre pour être international. C'est simple comme ça. Mm-hmm. Mais c'est une fucking débat pour qu'on... On s'attaque. Mm-hmm. Mais moi, alors, je suis pas anglais, moi, je suis grec. Alors moi, je vais pas rentrer dans ce débat. Moi, j'adore le fucking Québec. T'as les deux, les gars. Ouais. Mais c'est pour ça que je vois l'aspect culturel. Je suis d'accord avec ça. Mm-hmm. Je suis 100% avec ça. Je peux pas être contre. Je vais mentir si je suis contre. Je suis pour ça. Mm-hmm. Ouais. C'est juste la manière où on aborde. Je pense que c'est trop agressif. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Est-ce que dans ta famille, c'était mal vu de fréquenter... Dans sa famille, il tue le monde, fait que... Ben non, moi, j'ai grandi ici avec ma mère, alors c'est complètement une mentalité différente. Ma mère est intellectuelle, c'est différent. Puis est-ce que... Tu es, il t'encourageait à te suicider. Il rentrait dans ta tête, puis tu le faisais toi-même. Mais est-ce que, tu sais, c'était... tu pouvais fréquenter des Québécois, tu avais des amis... Oh, pas de problème comme ça, non, non, non. Ma mère était vraiment claire avec moi quand j'étais petit. C'est juste dans ta famille. Ouais, ouais. Tu dois trouver une femme... Une bonne femme qui est bonne. Puis elle me disait ça. Moi, je m'en fous. Moi, j'aurais pu être n'importe quoi. Mm-hmm. Elle doit être une bonne femme. Essaye pas de trouver une grecque. Mm-hmm. Les grecs sont des bitches. C'est ça qu'elle me disait. Ça, c'est génial. Ouais. Ça, c'est génial. C'est ta mère qui disait ça. Ouais. Parce que ça veut dire, non, ils font trop leur princesse. Non, tu veux pas ça. Okay. Tu veux une bonne femme. Tu veux une bonne femme. C'est drôle, ça. Ouais. Est-ce qu'au secondaire, t'avais une blonde? Oh, tout le monde avait des blondes dans mon secondaire. OK. Ouais, ouais. Il fait, en secondaire, il y avait beaucoup de sexe, je sais, à mon école. Puis, je pensais pas à ça quand j'étais petit. Oui. Maintenant, je suis comme, oh shit, c'est allé mal. Parce que je me souviens, les cours d'éducation sexuelle, oui. Ils nous ont jamais dit des choses pertinentes. Ils nous ont appris des choses de merde. Premièrement, OK, comment mettre le condom, c'est normal. Mais des positions, ils nous parlaient des positions. Cool! Ouais. Mais vous voyez... Moi, je pensais que c'était normal. Je parlais à d'autres adultes et ils m'ont dit « Mais non, ils nous ont pas dit ça. » Moi, je te niaise pas. J'exagère pas. Tu peux trouver des enfants de mon école. Moi, je me souviens, en secondaire 4, il y avait une femme qui est venue, je pense que c'était une infirmière, puis elle a amené un gars infirmière avec elle. Moi, je me souviens du gars parce que c'est lui qui montrait le condom. Puis je me souviens parce qu'il y a eu une gars arménienne devant moi qui est sorti son pénis pour... Anyways, c'est une autre histoire. Mais... Ben attends, c'est pas une autre histoire. Ouais, parce que... Tu peux raconter cette histoire-là. L'arménien qui sort son pénis. Ouais. Je pense que je parle pour tout le monde. Ça nous intéresse. Il avait pris du Viagra. Puis c'était secondaire 4, t'avais pas besoin. Mon école... Tout est bon, génial. Il avait sorti son pénis. Oui. Sa graine. Je sais pas comment vous voulez que je dise ça, mais son pénis. Comme tu veux. Puis, moi, j'entends... Parce que moi, j'étais derrière lui. Oui.
puis j'entends... Puis je suis comme, what the fuck? Alors je tourne comme ça, puis je suis comme, bro, qu'est-ce que tu fais? Puis il frappait son pénis, puis il comme, bro, c'est fou, ça arrête pas, c'est fucking dur, bro, je me suis masturbé chez moi pendant le dîner, puis ça arrête pas, ça arrête pas, bro. Puis après, la prof, tu sais, le prof l'a vu, puis arrête, ce week-end! Je devais pas citer son nom, anyways. Mais oui, c'était un bon gars pour niaiser. Il niaisait beaucoup l'avenir. Ben, oui, très génial que toi, c'est un gars très sérieux. Anyway. C'est un gars droit. Tout ça pour dire que je me souviens, il nous disait quelque chose que je pense qui n'est même pas vrai. Mais on dit, si vous faisiez le sexe dans une piscine, oh, ouais. Ça peut arriver que tu t'es coincé avec une femme. Oui, okay? Ça. Écoute ça. Pas juste, je pense que c'est faux, mais lui, il nous a dit qu'il a vu ça à l'hôpital. Oh. Comme, c'est lui l'infirmière. L'infirmière du sexe au secondaire, c'est lui dans le fucking emergency room, anyway. Vous allez être collé, puis vous allez aller à l'hôpital. Alors, si vous êtes coincé, appelle pas la police, rentre ton doigt dans le cul de la fille, oui. Puis pousse beaucoup pour pousser l'air, puis vous allez séparer. Ils nous ont dit ça à l'école, OK? Moi, j'ai gardé ça dans ma tête toute ma vie, OK? Moi, dans une piscine, j'étais comme, OK, bébé, on doit sortir, bro. Je vais pas coincer avec toi. Puis il y avait quelqu'un d'autre, j'ai parlé de ça, puis il m'a dit, c'est pas vrai, ça. Je dis, écoute, con, c'est une infirmière qui m'a dit ça. À l'école. Mais c'est pas vrai! Oh. C'est pas vrai, tout le monde m'a dit que c'est pas vrai. On dit ça à notre école, c'est une école. Mais quand même, mon école, quand même, ils nous donnaient des condoms. Ça, c'était bon. Oui, on peut, oui, si on veut. Si on parce veut. Que tout le monde baisait, apparemment. C'est génial. Ouais. Tout le monde baisait. Sinon, mais il y a juste ça à faire. Mais toi, non? Toi, t'étais... Moi, ça m'a pris jusqu'à... J'avais 15, 16. C'est quand même jeune. C'est jeune. Mais dans le temps, c'était vieux parce que tout le monde était fourré. Génial. Moi, c'était quand même plus... À 14 ans, il était comme, mais je suis pas mal vieux pour un vierge. C'est à cause que d'autres gens... Il y avait même dit des femmes enceintes. C'était fucking... Ouais, ouais. Wow. Oui, le public, enceintes, c'est cool pour les femmes enceintes. Pour vrai! Oh shit, j'ai une histoire d'une fille enceinte. Mais on t'écoute. C'est l'endroit idéal. Écoute, c'est pas idéal, c'est bad. Parfait. Il y avait beaucoup de batailles. Moi, je me battais tout le temps. On n'a pas une femme qui a perdu son enfant. Là. Non, elle n'a pas perdu son enfant. Elle est là, mais génial. Non, elle a son enfant. Mais, je sais pas dans le temps. Écoute, anyways. Il y avait une femme, une latina. Je la connaissais, mais ouais, elle était un peu bizarre. Puis il y avait une autre fille grecque. Elle se ressemblait pas. Dans c'est la face. C'est rare qu'une latina et une grecque se ressemblent. Mais les deux avaient des longs cheveux noirs. Oui. Je sors de l'école, je vois que quelqu'un dit « Oh, les femmes se battent, whatever. » Je rentre avec un français. Les femmes se battent, whatever. Elle avait une grande fille, bro. Elle était fucking large. Puis elle fucking donnait des claques dans la face. Moi, je pensais que c'était la fille grecque que je connaissais. Puis c'était la petite soeur de mon ami. Je dis « Shit, je dois la sauver. » Alors, je rentre, je la prends. Je sais pas pourquoi. Je vois que c'était la latina. Je dis, ah, c'est toi, fuck it. Puis je la relance, puis on continue à la battre. Puis quand je sors, je tourne, mon ami me dit, pourquoi tu l'as laissée? Parce que tout le monde avait peur. Ils voulaient pas se battre avec moi. Ils vont la laisser tranquille. Mais quand je l'ai laissée, c'était comme si je disais, OK, bah là, je dis comme, je sais pas, bro, c'était une réflexe. Je voulais pas. Moi, je voulais même pas rentrer dans ça. Bien mais sûr. C'était juste que j'étais comme, oh, c'est pas la personne que je pensais que c'est. OK, c'est pas mes affaires. C'est extraordinaire. Puis elle, oh, c'est pour ça, parce qu'elle criait, je suis enceinte avec son bébé. Je sais pas, le gars, c'est qui son bébé, mais elle disait ça. Ouais. Mais le bébé est sorti apparemment, mais elle l'avait après. Ouais. Ouais. Tout est allé bien après ça. Ouais. Je pense que l'histoire, c'était qu'elle est couchée avec une autre élève, puis elle est tombée enceinte, puis la blonde de cette élève-là voulait la battre. C'est ça que God. Ouais, une école de qualité. Ben. Mais tu sais, c'est quoi les grands problèmes dans cette école? C'était même pas un gars qui avait amené une fucking gun pour me shooter, c'était même pas ça. Le grand problème de cette école, c'est que moi, à l'arrêt d'autobus, je parlais en anglais. C'était un grand fucking problème. Ça, faut intervenir. C'était stupide. Ouais. Oh my God, c'était V! Est-ce que tu t'es déjà battu? Non, mais je me suis amené. Il y avait comme l'espace où tout le monde fumait, puis moi je fumais pas, puis mm-hmm. J'allais jamais à cette sortie-là. Puis un moment donné, une de mes amies est venue me voir, puis elle était comme, je peux plus sortir par cette sortie-là, puis je peux plus aller fumer là. Puis j'étais comme, mais voyons, pourquoi? Puis elle était comme, c'est parce que telle fille m'empêche d'y aller. Puis j'étais comme, mais voyons, tu peux. C'est pas chez ça! J'étais comme, ben, allons-y ensemble, puis
tu vas pouvoir être là, puis si la personne elle vient, ben je vais être avec toi. Mais tu sais que c'est une bonne chose, ton ami qui peut pas fumer. C'est bon pour sa santé. Je comprends, mais... Je sais pas pourquoi... Non, mais je veux dire, les gens qui bombent là, ils fument pas une cigarette après l'autre, là. C'est un prétexte juste pour être dans ces cercles d'amis-là, là. Tu sais? C'est quand même... pas genre pas... une... Elle allume pas sa clope avec l'autre clope, là. Est-ce qu'elle fume encore aujourd'hui? Non. Si elle fume encore aujourd'hui, c'est de ta faute. C'est ta faute. Puis c'est ça. Puis là, il y a une fille qui est arrivée. Je sais pas c'était quoi la chicane entre elles, là. Mais elle a juste dit, comme, tu peux pas être ici. Puis là, j'étais comme, elle va être ici si elle veut. Puis là, je me souviens, la fille, elle m'avait dit, yo, ta mère, c'est une pute. Puis j'étais comme, t'as connais pas. Comment est-ce que tu sais ça? C'était la première fois qu'on me disait ça. Puis j'avais juste vraiment juste fait de la logique de, mais là, tu veux m'insulter moi, puis t'insultes quelqu'un d'autre? Comme ça marche pas. C'est extraordinaire. En tout cas, j'étais juste overthinking. Ça, c'est Stéphanie rencontre des immigrants. Fini rencontre des immigrants, ils réalisent qu'ils ont d'autres valeurs que nous. Qu'est-ce qu'il y a un autre rapport à leurs parents. J'étais juste comme ça, pas rapport, tu sais pas c'est qui. C'est extraordinaire, ça. Mais je trouve que c'est génial de. Je vais insulter la fille. Yo, fuck où ta mère, c'est une pute, puis elle fait juste pas enregistrer l'information. Elle dit, moi, je suis pas insulté, je veux comprendre pourquoi tu me parles sur ce ton-là, de ça, s'il te plaît. Mais ton ami qui fume les cigarettes, je la connais pas. Fait que c'est ça. Fait que finalement, elle a pu fumer des cigarettes là parce qu'ils ont juste fait comme. Elle est bizarre. L'énergie. La brune est weird. Ah oui, on va pas. Yeah, fume les cigarettes, mais évite la pu. Deal. Mais tu vois, c'est ça, là. Tu sais, puis je me souviens que ça m'avait. J'étais quand même sur l'adrénaline, là. Puis je peux même pas imaginer ces scénarios-là. Je pense que c'est quand j'ai commencé à clubber. Génial. T'avais quel âge? Mais c'est parce que, comme. 15. C'était. mais 17. OK. Mais c'était une façon de m'esquiver socialement, là, puis je pense que c'est le cas de bien des gens. Tu sais, comme quand t'es dans un groupe, puis là, un moment donné, t'es comme, je sais pas comment me positionner, puis je sais pas quoi faire, c'est quoi le next move du groupe? Ben, le next move, ça va être moi qui vais aller m'isoler dehors, fumer une cigarette. Qu'est-ce que tu fumais? Je fumais des Peter Jackson rouges, ou sinon, je piquais des McDo à mes amis. Good. Puis quand je me sentais riche, j'achetais des Benson Gold. Puis encore à ce jour, là, quand je veux faire une club de temps en temps, je quand même m'achète des Benson Gold. Je sais pas, c'est vraiment niaiseux. Peter Jackson, c'est pas le gars qui a fait Le Seigneur des Agneaux, c'est pas ça, c'est pas le... Ouais, mais c'est le même nom, c'est pas le même gars. Oh, mes premières cigarettes à 15 ans, je pense, c'était la matinée. J'avais acheté la matinée. Et j'avais 15 ans et je fumais la matinée. C'est très... Pourquoi c'est... Je sais pas, man. Toi, t'étais jeune aussi quand tu peux aller au dépanneur puis acheter des cigarettes, right? Ouais, moi, je disais, ouais, je veux des cigarettes. Et puis, je disais, je suis une Chinoise qui n'arrive pas à rejoindre les deux bouts. Fait que je vais te vendre ce que tu veux. Ah, moi, c'était n'importe quoi. Même les Québécois, ils nous vendaient tout. Quand j'étais jeune, ouais. Ah, ouais. Ouais. Moi, je... Tu dis que c'est pour tes parents. Ah, bonne idée. Ils savent que c'est pas vrai. Je comprends. Ouais, ma mère veut une fucking... une livre de porno puis des cigarettes. Christy, moi, j'ai voulu m'acheter des cigarettes. Je me souviens, à côté de où on habitait avant. Ouais. C'est pas si longtemps, là. Mettons, il y a 3 ans. J'arrête au DEP en revenant de la job. Puis je me souviens, j'ai acheté comme de la bière puis des cigarettes. La fille, elle m'a carté. Ah, bien fait. J'avais 31 ans. Puis j'étais comme, bien sûr. Ouais. Mais je me suis encore fait carter l'autre fois. Mais je pense que c'est parce que j'achetais des White Claw. Puis la personne, elle fait comme... Ah, oh, c'est une immigrant. Qui en haut de 18 ans achète ça? Personne. Oh, man. Oh... Moi, je m'en souviens quand j'avais 14 ans, j'ai volé un Québec érotique. OK. Au dépanneur après de chez moi. Mais je l'ai volé de manière... Tu sais, absolument, tu prends un journal, tout le journal, tu mets Québec érotique, t'achètes le journal. Moi, j'ai juste pris le Québec érotique, puis je suis parti à courir. Bon, stratégie différente de l'autre. Il y a 18 ans, je traînais chez mon père, il voulait une pinte de lait. Je suis allé acheter une pinte de lait. Le gars m'a fait « Hey, tu m'as volé un Québec érotique. » Il s'en est souvenu. Wow! Fait que ça l'a marqué, le petit gars qui a pris un Québec érotique, qui est parti à courir. Et je l'ai tellement gardé, ce Québec érotique-là. Là. Je l'ai tellement aimé. Mais oui, tu l'as usé à quand? Ce que j'aimais de ce Québec érotique-là, c'est qu'il y avait des BD porno. OK. Mais pas dessinés. C'était des BD, mais dessinés. C'était avec des, photos. Des photos. Ah! Oh. Ça m'a beaucoup excité, ça. Oh, lui, il était toujours bizarre. Ah, je suis excité. Merci. Depuis toujours. C'était-tu comique? Ça se voulait-tu comique un petit peu? Non, t'es cochon. C'était vraiment juste un... C'était comme des mimes.
Non! Des mimes, là! Ben, si on veut! C'est bon. Ouais! Ouais! Ça? Ouais! C'était bon! C'était bon! J'aimais ça, moi! Oh my god! Ok! Super! J'espère un jour être aussi excité que par la BD avec des humains photos dans le Québec érotique que j'ai volé. Oh my god! Ben, je te le souhaite! Ça va jamais arriver! Oh! Tu te souviens-tu la première fois que tu as vu de la porno? C'est difficile. Je pense que si tu viens les chaînes qui jouaient, c'était tout scramblé. Je pense que c'est le plus proche. Après ça, c'était des cartes. Il y avait quelqu'un avait des cartes à jouer, que c'était des femmes nues. Wow. Mais la première fois où j'ai vu une femme nue devant moi, c'était dans une club de danseuses à 13 ans. Oh. Mais encore. Moi, il y avait un bout de temps de ma vie que je me traînais avec les pires des gens, puis ils étaient tous plus vieux que moi, 18 ans, 19 ans, puis moi j'avais 13 ans, imagine, tous des fucking criminels. Puis on était sur Sainte-Catherine, quelle fucking vie de fou. Puis c'était une club de danseuses, puis je pense que c'est encore là, c'était Sex Appeal, où tu vas en bas, juste à côté du Musique Plus. Je m'en souviens. Ouais. Puis j'avais l'air d'un enfant, Ah oui. Mais le gars il regardait mes amis, il les connaissait, whatever, c'était tous des criminels, puis il regarde mes amis, il fait ça. Puis je rentre, je vais en avant, puis il y avait une fucking femme, une danseuse, c'était une madame noire, puis elle avait un tampon dans son... En fait. Ouais, puis ça m'a gâché toute la fête. J'étais comme, what the fuck, what's that? C'est-tu normal, ça? Puis elle a dit quelque chose comme, ah, oh, c'est mon tampon. J'étais comme... Ton éducation sexuelle est bizarre. Ouais, j'étais comme, je veux pas être là, bro, je suis inconfortable. Je comprends. Je peux comprendre. Ouais. C'est pas mais c'est une club de danseuse qui a laissé un enfant de 13 ans rentrer. Qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? Donc? Comme mon amour, c'est quand la première fois que tu as vu de la pornographie? Je me souviens du premier épisode de Bleu Nuit que j'ai vu. Avec David Duchovny. Ouais, il était en Bleu Nuit. Je sais. Sur TQS. Malheureusement, pas l'épisode que j'ai pogné. Ouais. Dommage. The truth is down here. Mais je me souviens du scénario. C'était très simple. C'était un couple qui faisait... C'est rarement compliqué, mon amour. Je comprends. C'était un couple qui faisait l'amour dans une chambre. Oui, ça, c'est pas un scénario. Ça, c'est juste de la porn. Non, mais il y avait c'est de l'art. Un scénario, il y avait dans une chambre. Non, mais il y avait comme... Je me souviens plus. Mais genre, une autre fille, elle passait devant la porte. Puis là, elle l'entendait. Puis là, elle collait son oreille. Puis là, elle se penchait de plus. Mais hop là, et la porte ouvrait. Oh, tu me trouves ça maintenant. Puis, c'est bon? Ben c'est ça. Puis là, ils faisaient ça tous les trois ensemble. Tu vois? Je me souviens, on avait veillé tard là, pour pogner ça. Là, avant ça, on s'était claqué genre 4 heures de vision mondiale. Ouais. Puis on était comme, oh, « Vous restez réveillés ici! <C'est ça. rire> » Tu vois, t'es les Africains avec des mouches dans les yeux, tout ça, bandés, tu sais. Ça s'en vient! Mais je me souviens, comme, tu sais, moi, j'ai un grand frère, puis il y avait un ami du quartier et tout. Puis je pense que cet ami-là, son père l'avait pogné à avoir de la porn sur l'ordi. Fait que mon père, il avait installé Net Nanny. Je sais pas si ça me dit quelque chose, là, mais c'était comme un bloqueur de porn. Fait que, tu sais, mais moi, c'est ça, je suis 5 ans plus jeune, là, fait que j'étais tout le temps comme en retard. Là, j'étais comme, OK, ben je suis arrivé, puis le bloc était déjà là. Fait qu'après ça, je me souviens pas trop. Je me souviens, c'est ça, des trucs indigo. Mais, tu sais, la première fois que j'allais chercher de la porn sur Internet, par exemple, j'étais vraiment quand même vieille. Là, j'avais genre 25 ans. T'es très vieux. Ouais. Quel âge? 25. Mais c'est pour ça que moi, je suis pas vraiment dans le porno, je m'en fous, parce que j'avais pas un ordinateur. Je crois. Alors, j'avais pas accès à ça. J'ai pas grandi avec la porno accessible. Ouais. Fait que c'est ça. Puis là... C'est quoi? La première fois que j'ai vu, je t'avoue, je me souviens pas. Moi, j'ai probablement pris les affaires sur le front page, là. Ah, t'as commencé. T'as jamais downloadé de la porn sur Casa ou la moyenne? J'ai jamais downloadé de la porn, non. Ouais! Qui ici a déjà downloadé de la porn? Ouais! C'est tout! Qui est en train de downloader du porn? En ce moment! Parce que vous êtes jeune! Mais c'est pour ça que vous êtes jeune! C'est tout streaming maintenant! Ouais, c'est ça! Vous avez jamais downloadé de la porn, puis c'est pas la bonne affaire? Ah, merci, vous êtes cool! J'aime ça, ben oui. Parce que de la moyeuse, tu vois, c'est marqué genre « Oh, big blonde suck dick ». Ouais. Puis
C'était pas tout à fait ça. Ben, c'est ça, mais... C'était jamais ça. Ouais, c'était ça, mais en anglais, c'est un big blonde, ça peut être plein d'affaires. C'était effectivement un big blonde qui sang un dick. Oh. T'étais vraiment confus. Ouais. J'étais trop occupé à trouver des bonnes skins pour mon Winamp. Je comprends. Oh! Oh, tu viens Winamp, ouais. Ouais. C'était... Attends, bon. On a vu des programmes de... Moi, j'ai aimé, ceux qui s'en souviennent, à une époque, les films, les sites porno, il fallait que tu mettes ton âge. Puis là, tu faisais des maths, là. OK, ouais. J'aime le moment où ils ont tous abandonné ça. Là, ça va faire. C'est 21 ans. Là. Non! Là, ça va faire. Non, mais mets ton âge. Là, puis là, tu mets tout le temps 1947, là, pour être sûr d'être correct. C'est qui, les enfants qui ont vu ça et étaient comme... Touché. C'est des politiciens d'aujourd'hui, c'est des fucking cons, bro. Ça. Oh, parlant de porn. Non, on continue là-dedans. As-tu déjà acheté un magazine? Moi, ça? Ben oui, bien sûr. Ça, non. Pas, le gars en avant, pas le micro. Ben non, mais j'ai pas. Mais pourquoi j'achèterais ça? Pour te masturber. Ben non. Mais voyons. Un magazine? Au DEP, genre. Au dépanneur? Non, à la Bibliothèque nationale du Québec. Bonjour! Je suis absolument chiant. J'aimerais avoir à la recherche du temps perdu et un Playgirl. Non. J'ai ma carte. J'ai ma carte. Jamais. Mais non, jamais. Jamais. Mais voyons donc. C'est bien trop humiliant. Mais ce qui est excitant, c'est l'humiliation. Non, je sais pas. Il y a plein de gens qui ont fait. Moi aussi, je comprends ce qu'il veut dire. Il y en a plein qui comprennent pas, mais il y en a plein qui comprennent. Non. Non. Je pense que j'ai. Je pense honnêtement que j'ai jamais. Tenu dans mes mains une revue porno. Oui, une fois, parce qu'il y a un gars qui me dans un show qui t'a donné une. C'est vrai. Après un show, un mané, après un couple de malades. Sa femme t'a donné une peinture, puis lui, une revue porno. Oui! Peinture de quoi? Elle nous avait fait une toile un peu psychédélique. En ouais. Fait, Puis lui, c'était une revue de porno. Il y avait l'air ensemble. Vraiment des goûts différents, ces deux. Hein? Oui. Ben, elle nous avait fait des brownies aussi. Ouais. Réguliers. Ouais. Mais lui, il a rajouté du sperme. Y'a-tu du pot là-dedans? Non, mais... c'est piquant, hein? Vous n'êtes pas couple ouvert. Nous, on est très ouverts. Ah, oui! Voici nos offrandes. Il était super fin. Jamais de revue. Toi, t'as déjà acheté une revue? J'ai acheté, non, c'est ça. J'essayais de penser dans ma tête. Je sais que j'en ai vu des revues avec les gars, mais jamais acheté... C'est bizarre. Non, il est volé. Moi, j'avais honte, premièrement. Je pouvais pas aller au dépanneur et faire ça. C'est tellement excitant. Il y avait trop de bullying. Ah, je comprends. Trop de bullying. Alors, le gars qui a le dépanneur, il m'aurait bully à chaque fois. Il m'aurait donné le revue. Il m'a dit, oh, c'est pas intéressant, il veut se masturber. Et après, tu peux plus jamais aller à ce dép-là. Dans mon quartier, il y a trop de bullying. Mais t'apprends à être fort, tu vois. Moi, aller aux polices, ça m'excite. C'est ce que je suis. Je m'assume. Go. Tu vas où? Allopolis, il y a une revue. C'est comment expliquer? C'est quoi l'Allopolis? Ben, Allopolis, c'est pas de la porn, là? Ben, pas mal. Oh, tu sais. Oh, oui. C'est. Oh, toujours des filles tenues. Non, mais non, c'est pas. Attends, time out. Non, Allopolis. Défendez Allopolis, c'est quoi votre problème? Hey, tu vas pas cracher sur Allopolis. Il y a tout le temps des filles tenues dans Allopolis. Ouais, c'est pas de la porn, mais là. Des filles tenues, c'est pas de la porn? Dans ce contexte-là, c'est juste qu'elle s'est faite arrêter, puis là, il y a un jeton qui sort. Mais non, c'est. Mais non, voyons, gang, c'est de la pornographie, c'est pour ça qu'ils mettent des filles tout nues. Je pense pas que c'est. Thomas, j'ai quelque chose pour toi. Je t'écoute. Oh, je sais pas pourquoi je me suis rappelé de ça, j'aime parler de ça sur la scène. Quand j'étais. Fuck, je dois être sûr de ne pas dire son nom, parce que lui, sa blonde, regarde tous ces podcasts-là. un de mes meilleurs amis, quand en secondaire, il était un grand fan de lutte, OK? Puis je pense que China puis quelqu'un d'autre était dans Playboy. Ouais. Puis lui, il collectionnait tout. Puis je me souviens quand il voulait nous montrer, bro, j'ai tout, regarde ça, j'ai la revue de Playboy, whatever, de Shawn Michaels. Mais Shawn Michaels était dans Playgirl, c'était comme pour des femmes. Ouais. Mm-hmm. Puis nous, on était comme, bro, montre pas ça à personne. Pourquoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Lui, il est excité comme, check ça, boys! C'est fucking hot, right? Ouais, il voulait voir une graine. Mais non, bro, c'est Shawn Michaels, je veux pas voir ça avec fucking graine. Ça l'excite. On t'excite parce que ce qu'il nous excite, il y a pas de problème. Mais lui, c'est clair que...
Non, non, lui il voulait voir une graine. Il est voyeur. Il voulait même pas voir le gonu. Il était un grand fan de lutte. Il pensait ouais, pas. Il aime la lutte un peu il gay. Il pensait là. Pas. Il reste des gars musclés qui se frottent, là. Il pensait pas au contexte. Alors, il est pas gay, il adorait la lutte. T'appelles pas? Il est pas gay. The Rock, il en a jamais assez. Un gars hétérosexuel, même s'il aime quelque chose, la lutte. Il doit pas appeler ses amis et dire « Bro, j'adore la lutte, j'ai un lutteur nu ici, viens le voir. » Tu dois pas dire ça, tu dois garder ça toi-même, bro. Tu dois mourir avec ce secret-là. Vis ta sexualité, c'est correct. Non, mais c'est peut-être aussi une façon de voir. En passant, c'est pas... Gay, voir, vouloir. Voir The Rock tout nu, c'est ni gay, ni hétéro, ni rien. Tu veux voir The Rock tout nu? Je sais pas, là, Tom. Tu veux voir The Rock tout nu? Non. Hein? Mais non. Je veux voir The Rock tout nu. Ouais. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts au segment des dates? C'est le segment des dates présenté par Eros et compagnie. Eros et compagnie, t'as envie d'être masturbé, de faire l'amour, d'aider ton partenaire, de triper. Eros et compagnie, utilise le code promo COUPLE15, COUPLE15, COUPLE en lettres, 15 en chiffres. COUPLE15, de 15% sur tout en magasin chez Eros et compagnie. Laisse-toi aller, c'est le segment des dates. Des internautes nous écrivent, nos spectateurs, ils nous décrivent leur pire date à vie. On lit leur date, c'est anonyme, puis on se moque d'eux. Tu veux nous écrire à l'adresse courriel suivante, coupleouvertpodcast@gmail.com, coupleouvertpodcast@gmail.com. Arrête d'écrire à notre agence. Poseidon, qu'est-ce que... Je suis pas Poseidon. Pardonne-moi. Mais tout le monde fait ses erreurs parce que c'est deux noms bizarres. C'est deux P, excuse-moi. Deux P, oui. C'est normal. Ah ouais, ils m'ont écrit une lettre personnalisée. Une lettre? Salut! Cher Pantélis. Ouais, cher Pantélis. Après plusieurs années de vie commune, nous savons qu'une routine sexuelle peut s'installer dans un couple. Voilà, Fif, un petit bullet hautement efficace pour te permettre de stimuler ta partenaire en préliminaire ou lors de vos rapports sexuels. Bonne découverte, l'équipe Eros. Wow! C'est gentil. La partie du Fif... Bizarre, mais c'est... Ouais, c'est... Tu veux-tu nous montrer ce que tu as reçu? Ouais, ça a l'air petit. Mais c'est... Ouh, il appelle ça s'appelle le bullet, fait que j'imagine que tu sais. C'est vrai, oui. Je ouais, c'est une bullet, c'est ça qu'il disait, ouais. Oh! Ouais, une chargeur ça, ça USB. A l'air d'un bullet. Ben, j'imagine que ça vibre, cette affaire-là. Ouais, ça vibre, c'est sûr. Je sais pas si je le rentre dans l'ordi ou whatever. Oui, oui. Mais ça charge... Bon, ça charge c'est juste une clé USB, bro, avec des pornos dessus. Bon. Là, laquelle tu veux que... Avec laquelle tu veux, je parle pour moi? Ouais, c'est ça, c'est USB. Ouais. Mais c'est vrai qu'on dirait quand même une grosse clé USB. Mais ça, tu mets ça dans une chatte, puis ça vibre? Ou sur... comme le clitoris. Ouais, c'est ça. Je pense plus. Mais je te... Je dis ça de même, là. Ça a l'air bon? Ça a l'air un peu... Tu peux rentrer dans tes fesses si tu veux, bro. C'est à toi. Tu le rentres où tu veux. Ouais. Pendelis, est-ce que t'es prêt à commenter une date? Oui. Tu nous coupes quand tu veux, tu dis ce que tu veux, laisse-toi aller. OK. Alors voilà. Salut, couple ouvert. Question! Non. J'adore votre podcast et voici ma pire date à vie. Wouh! Je venais de me remettre sur Tinder quand j'ai matché avec Fernand non-fictif. Dommage. Il n'y a rien mieux que matcher que l'oncle de ton ami. Un grand blond intellectuel qui semblait très décent et romantique à première vue. Il avait une rose à la boutonnière. On s'est rencontrés sur une terrasse et on a commencé à jaser. Je me suis vite aperçue qu'il ne parlait que de lui et de manière très condescendante en plus. Ça tournait... T'es un escon! Ça tournait surtout autour de ses nombreux... Je vais parler de moi un peu. C'est fucking incroyable. Non, écoute ma petite, c'est un peu trop. Je vais continuer avec... C'est fou! Moi, je pensais qu'il parlait de manière condescendante de lui, mais... C'est ça. C'est de lui? Ben, il est hautain. Non, c'est ça. Elle dit, ce que tu as imité, c'est exactement ça. C'est ça. Ça tournait surtout autour de ses nombreux diplômes universitaires, ses amis. Tu comprends bien le français parce que tu t'es fait arrêter. Ouais. C'est ça, oui. Tu comprends mieux que... Steph, combien de fois tu t'es arrêté pour le français? Jamais. Puis tu comprends pas qu'on est descendant. Non, je sais. Et voilà. Ses habilités... Vive la police de la langue. Vive la police de la langue. Vive Mike Ward. C'est Mike qui m'a poussé. C'est Mike la police de la langue.
OK, ses habiletés linguistiques et ses expériences de voyage autour du monde. Fuck ce gars-là. La minute où je plaçais un mot sur moi, il trouvait moyen de faire un lien avec sa propre personne. On en est venu à parler de ses cours de jiu-jitsu. Oh, le monde qui fait du jiu-jitsu sont tout le temps lourds. J'étais sous le choc lorsqu'il m'a pris l'avant-bras sans le demander avant et m'a fait une prise sur la table devant tout le monde sur la terrasse. Quoi? Tu penses que le karaté n'est pas vrai? Viens ici! C'est quoi ça? J'adore ce gars-là, man. Imagine, hautain, puis il fait des prises de lutte. J'espère qu'il faisait des sons. C'est... ça faisait mal. Ça faisait mal! C'est ça qu'elle dit, ça faisait mal, point, mais mal. Autre point. C'est une bonne date. J'ai immédiatement... C'est une bonne date, ça! Lui, c'est clair qu'il dit, pendant qu'elle faisait la prise, on couche ensemble, c'est sûr. Proporicité. J'ai immédiatement croisé le regard de 2-3 femmes qui semblaient alarmées. Pas les gars! Les gars, des fois, ça arrive, hein, tu fais une clé de bras. C'est une agression sexuelle? Non, c'est du karaté! C'est un triangle choke, tu comprends rien. Je devais avoir l'air apeuré. Ben, j'imagine, oh my God! C'est surtout son sourire tordu et débordant de satisfaction face à mon impuissance qui m'a troublée. Il ressemblait étrangement à Willem Dafoe en Goblin. Oh! T'es wow. Hein? Willem Dafoe, gigantesque pénis. Ah oui. Si vous... Gigantesque pénis. Non, mais ça, j'avoue que j'approuve. Pardon? Cherche Google, là. Gigantesque pénis. Si tu Google... C'est où que t'as vu ça? Willem Dafoe nude sur Google ouais. Images. Il monte sa graine, lui ouais. Aussi! Ouais. Un truc à savoir sur Willem Dafoe, il a joué dans un film qui s'appelle L'Antichrist de Lars von Trier. Ouais. Son pénis était tellement gros qu'il devait le cacher et mettre une prothèse de plus petit pénis parce que le réalisateur se sentait attaqué par son gros pénis. C'est pas une blague. Deux affaires vraies. Willem Dafoe, il a un gros pénis et Lars von Trier, il a eu peur. OK, ben on vient d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est cool, ça. Ouais. Ouais. Parle pas notre tête ici, là. OK, il m'a finalement lâché le bras et demandé si j'avais l'intention de prendre des cours de jiu-jitsu, moi aussi. Oui, ça donne le goût, oui, parce qu'il faut que tu te défendes. Après cette belle démonstration. Sinon, je vais te péter la gueule en deuxième date, là. C'est ouais. Yo, j'ai traversé ta garde de même. J'ai dit que non, on a fini nos verres, j'ai dit que je devais y aller et je suis partie avec une wave de la main en guise de salutation. Je ne voulais clairement pas établir de contact physique avec lui de nouveau. J'imagine. Si tu te penches pour donner un bec, c'est comme... Je t'ai repogné! T'es pas alerte, c'est que t'es pas alerte. Ça, c'est fou. Première règle du jiu-jitsu, t'es jamais à l'abri. Il essaie de briser la table. Après la date, je lui ai écrit que je n'étais pas prête à le revoir et que j'allais initier le contact si jamais je changeais d'idée. J'imagine. J'ai ignoré ses prochains messages et j'ai fini par le unmatcher après quelques jours. Alors que j'étais en route pour une nouvelle date, je reçois un appel d'un numéro inconnu. Je réponds et je reconnais tout de suite la voix de Fernand. Il me demande comment je vais, me dit qu'il s'inquiète car je ne lui réponds plus sur Tinder ni par message texte. T'as-tu besoin d'une ninja? Je lui ai dit que je suis au volant et que je ne peux pas parler. Il me dit « Ah, oh, c'est pas grave, je te rappelle dans quelques minutes. » Minutes? Il allume pas que « Ah, oh, elle a fait que j'ai fait une prise de bras. » Ça ne tente plus de me parler. Quand il parle à ses amis à propos du date, hein, ben, je sais pas, bro, j'ai fait tout. J'avais dans une armbar. C'était fou. Oui, j'avance ça. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'amis. Ah, ouais, là, son seul ami, c'est Joe Rogan. Il tweet à Joe Rogan. Ouais. Donne-moi des conseils, si ça marche pas. Pourquoi tu réponds jamais? Okay, je lui dis que non, c'est correct, il n'a pas à me rappeler et je raccroche, je bloque son cell immédiatement. C'est le coup de foudre avec ma nouvelle date cette soirée-là et je commence à voir ce gars-là exclusivement. Parce que lui, il a fait des clés de jambes. Plus clés de jambes, mais là. Pendant une date avec mon nouveau copain, je reçois un appel d'un blocked ID. Oh, tabarnak, c'est ça. Je me dis que c'est mon ami psychiatre qui est supposé venir me voir le lendemain. Elle a toujours un numéro bloqué à cause de ses patients, donc je prends l'appel. C'est Fernand.
Yo, ça fait plus de 2 semaines que notre seule et unique date a eu lieu, que je l'ai bloqué et unmatché, puis lui se dit que c'est une bonne idée de changer de numéro pour m'appeler et me demander pourquoi je ne me vois pas avec lui. Il m'assure que, pour sa part, il a l'impression que ça coulait entre nous et qu'on devait garder contact. Je capote un petit peu. Ma date me regarde avec des yeux ronds et me demande si je veux qu'il prenne la ligne. Je décide d'adopter un ton ferme et inéquivoque et je dis à Fernand de cesser de me contacter. Je dois me répéter 2-3 fois, mais le message finit par passer et je n'ai plus eu de nouvelles de lui depuis. Qu'est-ce qu'elle a dit? Le jujitsu est gay! Dans la cloche. Ces hommes existent. Quand il a dit ça coulait, c'est drôle. Il est comme, on avait un combat, j'ai gagné. À la fois, il dit, elle est mauvaise perdante. Ouais. Fuck, c'est... My God, ça fait peur, hein? Oui. Oui. OK. Voici ma date. Je sais pas pourquoi j'ai juste écrit qu'une lingus en majuscule. Tom, il essaie de mettre des mots-clés. Il a écrit TDAH, il l'a rayé, puis il a écrit cunilingus. J'aime ça, let's go. Ben, ça donne le goût, par contre. C'est ça qui s'en vient. OK. Ces personnes sont-tu là à soir? Non. Ah, mais c'est arrivé une fois. C'est arrivé une fois. On a tous pleuré, c'est incroyable. Oh. Fernand, es-tu là? Voici ma... Il arrive de là, une casse. Avec une bandana. N'est-ce pas le karaté? C'est un or! Voici ma date que je qualifierais de pire date, du moins dans mon top 3, comme on pourrait dire, sur une plage dans le sud. Ouais, c'est pas facile, toujours. Je pense que c'est pas Saint-Denis qui l'a écrit. Tout ça commence bien normal alors que je match avec un gars sur Tinder. Il n'est pas tout à fait mon genre, mais j'ai tellement vidé le bassin à garçons à proximité que je dois sortir un peu de ma zone de confort si je veux rencontrer de nouvelles... Elle dit qu'elle a fourré beaucoup! Oui. Okay. Sortir de sa zone de confort, c'est, mettons, pratiquer un nouveau sport. Essayer un nouveau spectacle. C'est pas prendre un range d'âge pour faire bon. Pas sucer des gars que tu trouves laid, là. Mais non, j'ai dit oui au noir. Là, c'est ça qu'elle a fait. C'est ce qui est international. Je sors de ma zone de confort. Oh, man. Ça, c'est incroyable. Les choses se passent bien en message texte, alors on se donne un rendez-vous dans un resto pas trop loin de chez moi. Tout le monde sait ça, hein? Quand ça marche bien en message texte, dans la vraie vie, ça marche. J'arrive sur place, il est déjà là et j'ai une coupe de vin blanc qui m'attend à ma place. Bon je gars. Me dirige vers lui et il se lève pour tirer ma chaise. Je sais que c'est un peu vieux jeu. Les femmes, je vais vous donner un peu de fucking des conseils maintenant. Si vous connaissez pas le gars, vous allez pas boire le boison si c'est ouvert comme ça. C'est dangereux. C'est vrai, t'as pas tort. Faisais pas ça. C'est dit. C'est dangereux. C'est dit. Tu devrais donner des cours d'autodéfense. C'est mon podcast, ça. Je me dirige vers lui et il se lève pour tirer ma chaise. Je sais que c'est un peu vieux jeu, mais ça fait quand même son petit effet. C'est quelque chose que j'aurais trouvé ringard il n'y a pas si longtemps. Ça m'aurait même tombé sur les nerfs. Mais après plus d'un an de dates sur Tinder et de gars qui t'envoient une photo de leur graine au bout de 15 secondes, un soupçon de galanterie est un vent de fraîcheur des plus appréciés. À ce moment, j'étais encore un peu « mixed feeling » par rapport à ma date. Il est beau, je ne peux le nier, mais comme je l'ai déjà dit, il n'est pas trop mon genre. Mais elle explique pas c'est quoi son genre. Comment tu dis « il est beau » Hein? J'ai la même réaction. Il y avait un bras. Il est techniquement beau, genre, tu sais. Oh, comme je te disais, peut-être un peu de racisme. Ah. Il est beau pour le chinois, peut-être quelque chose comme ça, ouais. Ouais. C'est peut-être comme ça, c'est suspicieux. Suspicieux. Ouais. C'est pareil. C'est ça. C'est ça pareil. T'sais, les choses sont bonnes. Si t'aimes ça, ouais. Si t'aimes, ah ouais, si t'aimes ça. Oh my God. Disons que je suis... Ah si, disons que je suis classique dans mes goûts. Ah! Si tu es grand et un peu bâti, pas body build non plus, je m'écarte sans trop de difficultés.
Alors moi, je peux la fourrer, c'est ça que... Oui. Mais le gars de ma date est un est petit et maigrichon, très peu viril, voire un peu efféminé. Il a la peau laiteuse. Arrête d'insulter le gars! Il a mis du GHB dans ton boisson, arrête de l'insulter! Par contre, ce qui rattrape le tout, c'est que la discussion est incroyable. Il est attentif et cultivé. Il écoute et relance mes propos. Il est capable de rebondir sur tout ce que je dis. Histoire, Deuxième Guerre mondiale, politique, haine de Duhem, podcast, fun fact, on écoute tous les deux Couple ouvert. Ah, oh, il écoute Couple ouvert. Yo, écoute, 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 ça c'est intéressant. Écoute ton podcast, Couple ouvert. Il parle de la Deuxième Guerre mondiale, puis c'est une raciste. Le gars était juif, mais il était d'accord avec ça. C'est cool. C'est cool. Aussi, il partage aussi un intérêt pour la littérature. Fun fact numéro 2. On a tous les deux lu ou relu L'étranger dernièrement parce que Thomas le plug souvent. Tu pourrais dire que tu t'en fais plus pour la, que t'en fais plus pour la littérature que Franco Nuovo. Let's go! Hey, I'm doing, yeah. De sûrement maintenant. Je suis meilleur que Franco Nuovo. Alors, bref, plus le temps file, plus je l'apprécie, plus je tombe sous son charme. Moi qui venais juste pour fourrer, je me dis que je vais clairement lui donner une deuxième date. Mais pour l'instant, je veux pas penser trop loin. Ma libido, grandement aidée par l'approvisionnement en vin blanc, me rappelle ma mission première, fourrer. Elle est vraiment élégante. On mange. Il a pris la même chose que moi sans regarder le menu. Ah, oh, il a dit comme elle. Mais c'est beau. Monsieur l'a rien commandé, exactement. Et il ramasse le bill. Un point pour la théorie de Thomas pour qui doit ramasser le bill au resto. Ouais, je suis avec toi. En c'est quoi la théorie? Moi, je paye. Moi, ma théorie, c'est que c'est toujours le plus laid qui paye. Je paye! Mais c'est ça la théorie, parce qu'elle trouve laid. Mm-hmm. Il n'y a pas un gars qui est plus beau d'une femme, bro. Elle a. Il y en a. Il y a des femmes très laides. Des femmes très laides. Ouais, mais ils vont pas sortir en date avec nous, bro. Des fois, j'ai oui, il y a des femmes laides qui sont prêtes à faire peindre les enfants. Oh my God! Ça existe! Ça existe, c'est son... Oui, il y a des gens laids, Tom. OK, super. On va tout simplement... Non, il y a raison, il y a des gens laids. Mais des gens très laids. Ouais, il y a des gens super. Des gobelins. Ouais. Tu veux fucking le lancer d'eau. Va-t'en. L'eau. Sors, madame! Ouais. En terminant notre dernière coupe, il me prend... Pardon, il me prend... tendrement la main et me demande si je veux qu'on aille finir ça chez lui. Je lui réponds « You had me at hello. » Comme Jerry Maguire. Il devient fâché. « Alors pourquoi j'ai payé pour tout ça? » Là, c'est bon. C'est comment? Ça coûte les drogues? Il... C'est combien ça coûte? Il catch ce référent-là aussi. Il aurait pu me prendre sur la table du resto tellement j'étais chauffée. Wow. Oui, je sais, c'est beaucoup d'excitation pour une réplique de film. Certaines personnes sont excitées par le baseball, d'autres par les répliques de Jerry Maguire et du Titanic. Très hot, ça. On arrive chez lui. Autre point positif pour lui, son appartement est nickel. On pourrait manger par terre. Ça, c'est ma grand-mère disait ça souvent. Elle plongeait tellement. Okay. C'est quoi le nom de la personne qui a écrit ça? C'est... On sait pas. Tu dois questionner ta grand-mère. C'est peut-être ma grand-mère. On arrive chez lui, la plancher nickel, OK. C'est pas propre, c'est impeccable. Disons que c'est loin des appartements de gars que j'ai visités précédemment, qui étaient plus proches d'être des dumps à ciel ouvert à Mumbai, oh, que d'être qualifié. Elle est bien de logis. Elle a essayé les Indiens, peut-être qu'elle n'est pas raciste. C'est blanc, c'est à air ouvert, c'est beau, c'est spacieux. C'est blanc, c'est beau. OK, I get it. C'est quoi le titre? Mon Kampf? C'est quoi? C'est... Wow! Sans plus de préambule, il se déshabille devant moi. Je n'en demande pas plus pour faire la même chose. Il me complimente sur mon physique. Il me dit que je suis incroyablement belle et que cela le remplit de désir. C'est bon? Je suis pas sûre des mots qu'il dit, mais ça sonnait comme ça, du genre way trop formel pour être qualifié de dirty talk. Ah. Il dit quoi? Elle trouve que c'est comme un peu trop corporate, genre. Mademoiselle, votre vagin est parfait. Okay, c'est dit. Votre vulve est exquise.
J'aimerais vous doigter si vous êtes d'accord avec ça. Comme c'est, qu'est-ce qu'il disait? Puis-je cracher sur vos... Ok, ça sonne weird dit comme ça, mais sur le coup, Chris, que ça m'a excité. Okay. Oh, c'est parfait, madame. Oui, je te plains. De toute façon, tout ce qu'on dit quand on est excité, c'est tout le temps un peu weird. Vrai. Après, il m'a mis dans une hold de judo. Fun fact numéro 3, je crie beaucoup trop souvent « je jouis fort » quand je jouis fort, puis j'ai un peu honte de ça. Ça, c'est vrai que c'est comme un exemple. Elle crie « je jouis fort ».« Je jouis fort okay. ». Ça, c'est extraordinaire. « Vous êtes belle ah! ». Tu vas-tu venir bientôt? Je jouis fort! C'est ça, hein? Yahoo! Okay. Je lui retourne le compliment avec conviction, bien que pour vrai, il est imberbe comme un dauphin prépubère et n'avait rien de particulièrement flamboyant. Ouch! Oh. En fait, il était quasi rachitique, mais son doux visage et un pénis de taille adéquat m'aident à adoucir le tableau. Wow! Il me demande de m'asseoir sur le divan et exécute un cunnilingus, mais là, vous ne catchez pas le niveau, il me fait the cunni! The mother of all cunnilingus! C'est là que le cunnilingus, j'ai écrit. Quoi? Oui, j'ai écrit cunnilingus. Oui, c'est ça, c'est pour ça que c'était écrit. The mother of all cunnilingus! Oui! C'est fucking Jean Reno qui a écrit ça, bro. Il se relève la tête, attend pour me complimenter, me dire à quel point je suis belle, me demande de le tenir par les cheveux. Il me doit en même temps... Il a l'air cool, ce gars-là! Oui, vraiment! 100% cool! Il me doit en même temps, je sens une vague de chaleur me parcourir et il me dit de me laisser complètement aller et, dans un climax absolu, j'ai ma première et ma seule à ce jour éjaculation féminine! Oh. On la salue! C'est quoi le problème? Il elle met... termine, mais c'est une juive. Like, oh. C'est ça? C'est... Like, c'est quoi le problème? Il met sa bouche devant l'éjaculat et en reçoit partout dans le visage. Ok, excessif. Yes, sir. Je le spécifie parce que j'ai vraiment trouvé ça chaud. Je me touche encore en pensant à ce moment à l'aide de mes merveilleux jouets d'Eros et compagnie. Hashtag couple 15. Wow! C'est bon? Quand je reprends mon souffle et que je reviens à la réalité, je m'excuse d'avoir salopé son plancher. Il me rassure en me disant que ça lui a fait plaisir de voir que j'ai apprécié. Sur ce, il se lève et il m'apporte une coupe géante remplie d'eau et de glace. Wow! Et me dit à ce moment précis, je me dis à ce moment précis que ce gars est un dieu parmi les hommes. C'est ça? Whatever, continue. Whatever! Il repart et je le vois réapparaître avec sa petite mop. Attends! Et nettoie le tout en moins de 2 minutes en restant complètement nu et en sifflotant Rocketman. Wow! C'est bon. Yo, il fait ça chaque soir. C'est sûr, il y a une expérience. Jeudi complet. Qu'est-ce qu'il... Oh my God! OK. À ce moment... Ça aurait été mieux... Benny and the Jets. C'est meilleur pas ça, moi. Rocketman! Ouais, ça va avec Rocketman. Rocketman. Benny and the Jets. OK. À ce moment, il m'aurait proposé de me chier sur le torse que j'aurais dit oui. Wow! Madame. Si il avait demandé. Ah oui! Ok. Je pense qu'elle voulait ça. Ouais. Ben non, mais si elle demandait. Elle dit ce qui me répugne, je tiens à préciser, mais no king shame si c'est votre truc. Bon. Bon. Okay. Il s'assoit à côté de moi et se lovre contre moi en me jouant dans les cheveux. Je me dis qu'il mérite aussi d'avoir sa gâterie. Mais quand je lui offre, il me dit que c'est bien ici, mais j'insiste parce que j'ai beau vouloir montrer que je veux être généreuse et lui rendre la monnaie de sa pièce. Pardon. Dans le fond, je suis encore... La monnaie de sa pièce, ça, c'est une vengeance. Ouais, ça, c'est bizarre. Ouais, je comprends. Lui, il voulait rien savoir de ça? Je sais pas, j'étais pas là. Dans le fond, je suis encore fucking excitée et j'ai encore le goût et je veux qu'il souhaite une deuxième date lui aussi. Alors, à force de réitérer mon offre, il accepte et je me mets à genoux devant lui. J'essaie fort, fort, fort de lui donner au moins le 10e du plaisir qu'il m'a donné. Petite précision, son pénis était aussi propre et impeccable que son appartement. Steph n'aurait pas apprécié.
T'aimes pas ça, les pénis propres? Non. C'est décevant. C'est un peu dégueulasse, ton affaire, mais OK. Ça... Faut que ça goûte un peu la personnalité. Donc, mais... J'ai beau la coincer entre mes seins, lui lécher, la mettre entièrement dans ma bouche, lui faire un lap dance, le sang ne semble pas trouver le chemin de sa queue. J'essaie de pas tuer la magie parce que dire à quelqu'un « Pourquoi tu bandes pas? » est probablement la chose la moins bandante au monde. Donc, si c'est ton oncle spécialement, c'est vrai. C'est bizarre. Pourquoi tu bandes pas? Je vais pas le faire, je dis que c'est bizarre, fais pas ça. Donc, au bout de 15 minutes, je lui demande ce qu'il lui ferait plaisir. Il me demande s'il peut mettre un porno. Pas trop avec ça, que je lui réponds. Ce qui est fou. Il y a une femme là-bas. Il y a du monde qui aime ça, de la pornographie. C'est pas moi. Ouais, je sais, mais il y a une femme là-bas. Tu peux faire ton propre porno. Il y a du monde qui aime ça. Pas que j'aime pas. C'est ça qu'il aime. C'est ça, c'est le monde qui aime ça. Ouais. Pas que j'aime pas en regardant. Oh, j'espère qu'il met un porno gay. Pas que j'aime pas en regarder, mais j'avoue que ça m'intimide d'en regarder à deux. Et encore plus si je le suce, si je suce quelqu'un qui regarde quelque chose d'autre que moi. Mais bon, on se rappelle qu'il vient de nettoyer mon jus de noun sur le plancher. Je peux bien faire ça pour lui. C'est la moindre des choses. Il caste sur la télé une vidéo de trip à trois avec des filles avec des seins beaucoup trop gros. C'est correct, ça passe. J'avoue que j'ai eu peur qu'il mette de quoi de trop trash. Il finit par durcir. Yay! Je me donne à corps perdu dans l'exécution de ma fellation. Je regarde le film de temps à autre pour mimer ce que les dames font à l'écran. Quand même. Station, madame. On est rendu où, là? OK, bon. Ce qu'il a l'air pas de... Pas qu'un artiste, toi. Je sors un peu de ma zone de confort et je me fais gaguer sur son membre, comme l'exemple à la télé, moins le mascara qui coule. C'est une étudiante. Des films porno, je veux dire. Oui. Elle dit, parenthèse, je comprends pas le plaisir de faire couler du mascara, ça coûte cher, du make-up. Alors, s'il vous plaît, messieurs, ne nous faites pas pleurer de quelque façon que ce soit. C'est bon. Fin de la parenthèse. Bon. Ah. Mais bon. Il commence à l'insulter. Vient un moment où l'une des charmantes actrices stimule la prostate du dit monsieur. Je me dis que tant qu'à mimer ce qu'elles font, why not coconut? Oh. Quelle expression incroyable! J'ai jamais entendu ça. Mettre un doigt dans le cul, why not coconut? Je lui rentre mon doigt et je spécifie que je l'avais bien enduit de salive et que je n'ai pas des ongles si longs, mais force est d'admettre que j'ai clairement accroché quelque chose dans le détour. À rajouter à la liste des choses à ne pas faire au premier rendez-vous, 1. Reverse call girl, 2. Doigts dans le cul. Sa face change d'un coup et il me repousse violemment avec une de ses jambes et je suis projetée jusqu'à sa table de salon. Je me confonds en excuses et lui se tord de douleur. Oh, elle a déchiré son tour de cul? Oui. Oh non. Oui. Pauvre gars. C'est pas que drôle, là, il commence super hétéro, il termine gay. Quelle soirée. Ouais. 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 Je lui demande de regarder, mais il refuse. Laisse-moi checker! Oh. Il commence à m'insulter et me traiter parmi d'autres sobriquets de conne. Je lui en veux pas vraiment, ça avait vraiment l'air de lui faire mal. Ouais, je comprends. Il s'écarte pour tenter de regarder et voit qu'il y a un peu de sang. Oh. Il me demande de partir sur le champ. Je... Get the fuck out of here! Ouais, c'est drôle. Il garde ses fesses comme ça, tu sais. Sors! Sors! C'est humiliant, man. Il me demande de partir sur le champ. Je prends mes vêtements illico et je finis de m'habiller dans le couloir un peu triste et honteuse. J'ai tenté de lui réécrire, mais il m'a ghosté. Voilà qui conclut ma date. Bonne journée à tous et n'oubliez pas de vous tenir les ongles très courts. Désolée pour les milliers de parenthèses. Calez ce que je vous aime. PS, je paye toujours mes dettes. PS2, oui, je me suis créé une fausse adresse courriel pour vous écrire. Mais on ne regarde jamais les adresses courriel. Ouais, on s'en fout. C'est pas grave. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Faut pas mettre les doigts dans le cul du monde. Ben, moi, je pense que c'est sa faute. Je vais vous dire pourquoi les dames. Quand le gars était comme, non, je suis d'accord, laisse-moi tranquille, elle continuait. Mm. Je sais pas si vous savez ça, mais no means no. Pour tout le monde? Vous êtes trop agressif. Mais
Mais c'est vrai, des fois, que tu sais, c'est ça. Pauvre gars, il était comme, oh, okay, ça va être excitant. Puis elle finit par déchirer son trou de cul. C'est malade. Mais essayer de rentrer quelque chose dans un cul qui veut pas, c'est pas une bonne idée, c'est non! C'est non! C'est non! Ah, ben, mais t'imagines si le gars il écoute Couple ouvert, on te salue. On te salue, man. On espère que tu vas mieux. Oui. On espère que tu vas mieux. Envoie un email, juste dis, c'est mon trou de cul, juste dis ça. Ou ta version. Ta version, ouais. Ouais. On adorait avoir ta version. Imagine que c'est complètement différent. Ouais. Sors, madame! Sors! Non, non, pour regarder la peau, non, je veux te soucier! Sors, mais arrête de mettre tes doigts dans mes fesses, là! Oh, fuck, ouais. On sait jamais. Ouais. Ouais. OK. C'est possible. T'es prêt pour une autre? Oui, oui, j'aime ça, c'est drôle. Allô, allô, cette date en est une d'empowerment, de partage et de feu. Oui, ça, c'est pas drôle, c'est ce cochon. Écoute, c'est nous qui... on va décider ça. Des fois, les gens nous écrivent pas pour faire rire, mais juste pour nous conter des fantasmes weird. Et c'est une date, là. Mais c'est une vraie date, c'est ça? Ben, je sais pas. Mais ben, décrit une date? Oui. C'est ça que je veux, let's go. Parfait. Ouais. Alors, une femme que tu écris. Par un doux mardi soir... C'est rare, les gars qui veulent du empowerment. C'est rare un gars qui commence par un doux mardi soir de juin aussi. Là, c'est aussi rare. Par un doux mardi soir de juin, je suis assise à mon bar préféré. Quelques jours auparavant, j'ai laissé mon chum pour pouvoir vivre ma jeunesse. J'avais tout juste 19 ans et je rêvais de vivre un coup de foudre, une grande passion, et j'avais également envie de diversifier mon portfolio de conquêtes. Elle est ouverte au noir. Elle est ouverte à tout, bro. Ouais. Bref, j'ai la tête fraîchement rasée suite au défi de Leucan. Je porte ma plus courte jupe... Pardon, la tête rasée? Oui, ouais. assez rasée pour les enfants malades. Son vagin était comment? C'est moi le problème maintenant, ouais! C'est une bonne question, non? Ouais. Pourquoi, comment non? Elle parle, dit, je vais me raser la tête, là, comment? C'est pas nécessaire de crier, madame. Oh non, mais elle a raison. Parce qu'elle a dit c'est une bonne cause. Oui, ouais, je niaise pas la cause. Oui. Je dis donne plus de détails. Je me rase tout le corps pour le camp. Je porte ma plus courte jupe et je sirote un vodka 7-Up en discutant avec la barmaid. Quand un groupe de 4 gars, tous plus beaux les uns que les autres, franchit la porte. Pour les besoins de l'épisode, surnommons-les P1, P2, P3 et P4. Ouais, ben. Tu comprends les P. Ça, c'est des noms dégueulasses. Tu aurais dit Steve, Jean, des vrais noms, whatever. C'est de la science-fiction, ce qui s'en vient. Okay. Ah, ouais. En les espionnant subtilement du regard, je remarque que leur petite gang se sépare rapidement. Deux d'entre eux viennent s'accoster à une table pas très loin du bar où je suis assise. Il y a alors quelque chose qui se passe en moi. Je pense qu'ils s'appellent ça le guts. Puis je commande 2 bières à la barmaid. Armée d'un courage jusqu'à présent introuvable dans ces contextes et la confiance suprême que me donne mon look du soir, je vais chacun leur offrir une bière. Ils saluent l'audace, flattés, et on se met à discuter. La soirée se déroule bien, j'ai un méga crush qui se développe pour l'un des garçons, P1. Oh, nice. On se plaît clairement beaucoup, on chouille sur le plancher de danse. C'est pas mal chaud tout ça. Je suis convaincue d'enfin vivre cette scène de film romantique-ish. Ma grande passion enflammée, c'est le bonheur. Puis lui, le gars, c'était quoi son fantasme? De fucker Caillou? C'était... Lui, il aime frencher, mais après ça, il part puis il fait le tour. Il vient. Il doit être pas loin de 1h AM lorsque je lui demande s'il désire me suivre jusque chez moi pour tester cette connexion entre les draps. C'est là qu'il m'explique qu'il était à un tournoi de golf avec ses 3 amis et qu'ils sont tous arrivés ensemble dans la même voiture. Comme des clowns. Ah ouais? Des petits clowns qui... Le P, c'est Patoff 1, Patoff 2, Patoff 3, Patoff 4. La blague, plutôt saoule, je lui balance que c'est correct parce que je suis bien ouverte à tous les ramener dans mon lit de toute manière. Yo, pas niaisage. Oh, shit. Ça a dû prendre 3 minutes qu'on me propose déjà de suivre le groupe chez une copine à eux, Lola, qui vit tout près du bar. Lola, man.
Lola. Oui. Elle vient de rentrer du travail et nous attend. Je rappelle que j'ai tout juste 19 ans. Je suis facilement impressionnable. Puis quatre gars magnifiques. Moi, j'aurais été impressionné par Lola puis quatre gars qui veulent me fourrer. Peu importe l'âge, là. Ça n'en prenait pas plus pour ne pas voir tous les scénarios dangereux dignes des plus grandes séries Netflix qui se dessinent devant moi. Oh. OK. Une fois tous rendus chez la copine, les choses déboulent plutôt rapidement. Je suis sur le divan à discuter avec P1 quand je remarque que Lola, l'amie, est assise sur le comptoir de sa cuisine et French à pleine langue P3 et que P4 vient de remonter sa robe pour lui faire un cuni. Oh, wow! À cette époque, grande néophyte des plans cul à plusieurs, je ne comprends pas trop ce qui se passe, mais je me laisse porter par la vague. Après c'est tout, clair. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est une gynécologue, lui? C'est qu'on, fait qu'on fait qu'on on jouera pas aux cartes, là. Ouais. Elle sort de la chambre avec un risque. Moi, je suis des jaunes. OK. Après tout, tout le monde présent dans cette pièce est très sexy et les cris de plaisir de Lola m'émoustillent. S'ensuit une courte nuit, débat tous les six, dont les détails me sont assez flous, je dois avouer, vu que ça fait près de 15 ans. Outre des flashbacks d'abdos très définis et de pénis en érection partout autour de moi. My God! Un instant, on n'a pas parlé de P2. On a dit que P3 et 4 c'est vrai? Font leur chose. P1, elle aime P1. Ouais. P2 est toute seule avec une élection. Ça, c'est bizarre! Non, t'es comme, bro, P2, va-t'en! C'est trop weird! Non, je pense que P2, il fait des abdos. Ouais. Il y a un gars tout seul dans la cuisine, come on! Oh, ça, c'est bizarre, hein? Je me souviens tout simplement que je me sentais bien respectée et en sécurité. Aux alentours de 5 heures du matin, j'embarque dans le camion des garçons pour qu'ils viennent me reconduire chez moi. C'est assis sur la banquette arrière que j'apprends qu'ils sont pompiers et qu'ils s'en vont à un shift de job de jour. Je me dis alors que j'espère qu'aucune maison ne passera au feu dans le centre-sud ce jour-là. Mais sans le vouloir, quelqu'un laisse aussi couler l'information qu'ils sont tous les quatre en couple. P1! Imagine! Je dois dire quelque chose. Quoi? Je veux pas que ça arrive. Mais imagine que ce jour-là, c'était un hôpital d'enfants. Elle était brûlée. Ils sont pas capables à cause de eux. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait, mais elle a tué plein d'enfants. Imagine ça. Je suis épanouie sexuellement, mais il y a plein d'enfants qui meurent. Je me suis rasé les cheveux pour rien. C'est quand même juste... Ouais, c'est ça! Elle catch le game. P1 est mariée avec des enfants. Ah oh ouais, P2. Il a pas l'air de ça. P2 attend son premier bébé. Comme quoi le sentiment de fraternité des pompiers n'a d'égal que leur valeur du partage et de l'infidélité. Malgré tout ça, j'ai revu et couché avec 3 de ces 4 garçons. Et je suis même tombée amoureuse de P3. On s'est daté durant des mois avant que la culpabilité me ronge complètement et que je mette un terme à cette histoire. Mettons ça sur l'âge, la naïveté ou juste mon slut phase, tout est valide. Je dois par contre dire que c'est suite à cette aventure que je me suis posé de sérieuses questions sur la monogamie et que c'est probablement l'une des raisons qui fait que maintenant, je suis couple ouvert depuis plusieurs années. Let's go! Oh! Alors P2 a rien fait, il était là avec son pénis comme « J'ai un bébé chez nous! » C'est ça? Ouais! Ta femme! Cache ton pénis, c'est-tu? Oh my God! Oh, yay! Ça, c'était spécial. Ceux pour... Non, je vais le réexpliquer, mais c'est tellement... C'est pour ceux qui n'étaient pas là tantôt. C'est Michel? C'est Marco! C'est qui, Marco? Marco Cagliari! Qui? T'sais, hier, il y avait un show de Marco Cagliari ici. Oh, il a fait exploser okay. des confettis. Mal compris. OK. Puis là, il reste encore, ouais. Ben voilà. C'est juste que c'est ça. Bon, je sais pas pourquoi j'étais aussi... Excité, mon amour. Je sais pas. C'est parce que les techs nous ont dit « Hey, s'il y a des confettis qui tombent, c'est à cause de Marco Cagliari. » Puis là, dans les deux épisodes, à un moment donné, il y a un confetti qui tombe. Oh, c'est nice! Le Marco est un peu avec nous, après tout. OK. Une petite dernière pour la route. Woo! Une date et une prise d'otage. Finally! Bonjour Thomas et Steph, j'adore votre podcast et j'ai envie d'y participer en vous racontant la fois où je me suis retrouvée en date à mon insu, tout ça pour une douche. J'aime tout ça. Oh, I like it.
À l'été 2021, j'ai eu des problèmes de douche faisant en sorte que je devais me laver à la bassine. Après avoir emmerdé tout mon entourage avec mes problèmes de plomberie, un ami s'est gentiment proposé pour que je prenne ma douche chez lui car il habitait tout près de mon lieu de travail de l'époque. Il m'a mentionné qu'il me préparerait même sa chambre d'amis pour que je puisse passer la nuit, me doucher le matin, puis partir travailler le lendemain. Hey, madame! Quoi, t'as besoin de laver ton vagin? Ouais, ok. J'ai une chambre pour toi, tu peux rester toute la nuit. C'est cool. Fais comme tout le monde, puis juste prends les clés de gym de quelqu'un, puis go au gym. J'ai accepté... T'as-tu été itinérant ou quoi? J'ai vraiment comment je serais si j'étais itinérant. Oui, définitivement. J'ai accepté sa proposition sans grande inquiétude étant donné que nous nous connaissons depuis plusieurs années déjà et qu'il n'y avait aucune ambiguïté entre nous. Aucune. Notre amitié. Aucune. A toujours été que le gars qui veut absolument que tu viennes dormir chez eux. Je peux dormir chez moi. Non, ça c'est stupide. Tu dors chez moi. Arrivé chez lui, mon instinct me dit que mon ami a peut-être utilisé mes problèmes de douche pour m'inviter en date à mon insu. Il m'a préparé à souper un repas végétarien car il se souvenait que je ne mange pas de viande. Il a acheté 2 bouteilles de vin pour l'occasion alors qu'il n'aime pas le vin. Câlisse. Je décide tout de même de taire ma voix intérieure et je me convainc qu'il est impossible que mon ami ait une quelconque attirance ou sentiment à mon égard. En 6 ans d'amitié, il n'a jamais tenté ou dit quoi que ce soit. Ah! Rien! Sauf les 2 bouteilles de vin, il t'invite chez lui pour que tu te laves. Ouais, rien. À chaque fois qu'on se voyait, il me disait « je t'aime ». Je trouvais ça tellement gentil. Il haïssait tous mes chums. Il était toujours bandé. C'était vraiment bizarre. La soirée se poursuit et je bois beaucoup trop. Je suis torchée. Mon ami décide qu'il est temps de parler de féminisme. Génial. C'est le temps, là. Il m'explique grossièrement que les féministes n'ont rien compris. C'est bon, ça. Ah. C'est quoi? J'aime son style. C'est incroyable. Il saoule la fille et il fait les féministes sont rires. C'est original. D'après lui... Les femmes n'ont jamais été écrasées par les hommes. Elles ont consenti à occuper ce rôle. Ça faisait partie du contrat social supposément consensuel intervenu entre... Tu voulais pas voter, madame! Tu voulais pas voter! C'est toi, c'est pas moi! Ça faisait partie du contrat social supposément consensuel intervenu entre les hommes et les femmes. Évidemment, pendant toute cette discussion, ce grand macho n'a pas cessé de m'interrompre quand j'essayais de partager mon opinion. Génial. Il est parfait. Lui-même a réalisé... Non, il est parfait. Il est parfait. Ouais, il est parfait. Il est parfait. Il est parfait, lui-même cet homme-là. A réalisé qu'il me coupait sans arrêt, puisqu'il m'a dit « Excuse, j'arrête pas de te couper, mais t'inquiète, je te mansplaine pas, je suis juste passionné. » Ça, c'est bon! « Je sais que tu me comprends. » Par la logique, que vous comprenez pas, je vais essayer de t'expliquer. C'est fucking fou, bro. J'adore ce gars-là. Je m'explique, je suis passionné. Moi, je prendrai pas de douche, puis c'est tout. Oui, j'avoue. J'ai rien d'autre à faire que noyer mon malaise dans l'alcool. La cerise sur le sundae est quand il s'est montré beaucoup trop conciliant et empathique envers les incels. Mais c'en est un! Mais ça ils font ce qu'ils peuvent, OK? C'est que... On n'a pas besoin de fourrer! On n'a pas besoin de vous! C'est ce qu'ils disaient! Je pense... C'est quoi ça? Les incels, c'est les gens qui veulent pas faire le sexe, c'est ça? Non, les incels, c'est les gens qui veulent faire le sexe, mais les femmes veulent pas. C'est ça. Lui, c'est un incel. Pas mal lui. C'est ça. Ouais, Après son monologue malaisant, il est temps d'aller se coucher. Je suis complètement saoule et je travaille le lendemain. Il me dirige vers une chambre que je crois être la chambre d'amis qu'il m'a préparée. Je m'allonge dans le lit à ma grande surprise. Il s'allonge à côté de moi. Je réalise... Comportement dégueulasse, on doit le dire. C'est non. Ça aussi, c'est non. Ouais. À ma grande surprise, il s'allonge à côté de moi. Je réalise à ce moment qu'on est dans sa chambre. Je trouve ça bizarre parce c'est, que... Ah, je change mon histoire. C'est sa faute. Ouais, c'est... Non, c'est comment qu'elle réalise qu'elle est dans sa chambre? Il y a juste une. Il y a des posters. Ouais, imagine, hein? Ouais. C'est pour les invités et pour moi aussi. Ouais. Il y a des posters de Joe Rogan. C'est une piège, ouais. C'est juste une piège, ouais. Ouais, c'est des invités, mais moi aussi, j'ai besoin de dormir quelque part.
Je trouve ça bizarre parce que c'est pas comme ça qu'on s'était entendu. Mais je suis trop ivre et fatiguée pour me plaindre ou rentrer chez moi. Je sens qu'il se rapproche de moi. Fuck, il me dit qu'il m'a toujours trouvée super attirante. Oh. Étant donné qu'il est un boobs man. Ça devient creepy très vite. Deuxième. J'aime tes seins! C'est quand même pas arrête. Like, je vais dormir. Non, c'est pire, game. C'est. Je suis un boobs man. Ouais. I'm a scat man. T'es un lonely man. C'est ça le problème. Là. Sa tentative de séduction échoue, rien de surprenant. Je ne suis pas charmée à tel point que je vais vomir aux toilettes. Il me suit aux toilettes pour me regarder vomir. Oh! Je suis une vomit man aussi! Je me dis, yes, ça va sûrement calmer ses ardeurs de me voir régurgiter tout son repas. Erreur! On retourne dans la chambre et il tente quelques moves. Ouais, mais ça, ça... Je vais pas le défendre, là, mais je connais... Oh, les mères, là. Je connais aucun... Voyons. Ça va, madame. Je connais aucun gars qui voit une fille vomir qui fait « Je suis plus excité. » C'est pas... Non, bro, c'est de le... Mais t'es pas... Non, tu payes mal. Non, ça dépend, bro. C'est dégueulasse. Tu vas sentir ça. Tu vois, ça me dérange pas. Puis, elle a vomi, puis elle t'a dit qu'elle est pas intéressée. Toi, ça me dérange. Le bout, je l'ai... C'est ça. Mais ouais, tu veux dire que si elle était intéressée, si elle a vomi, le... Ouais, c'est pas un problème? Ça, non. C'est différent. Ça, c'est différent. C'est pas vrai. Je pense qu'on a déjà fait l'amour après que j'avais vomi, mais j'ai déjà vomi au début d'un party. Parce que une de mes amies, c'était sa fête, puis toutes nos amies travaillaient de soir. Nous, on avait congé. Fait qu'on passait toute l'après-midi chez elle à préparer le party. Puis quand on a fini de préparer, on s'est assises, puis on s'est dit... On aimait ça jouer au skip-bo. Mm-hmm. Puis là, on a dit, on va jouer au skip-bo shooter. À chaque fois que tu joues une carte skip-bo, tu prends un shooter. Oh, shit. Fait que là, ça nous a assommés complètement. Puis elle habitait sur le bord de l'eau. Fait qu'on s'est dit, en attendant que les amis arrivent, on va juste aller s'étendre sur le bord de l'eau. Puis on était étendus dans les herbes sur le bord de l'eau. Puis un moment donné, j'ai juste fait... Puis moi, je vomis en silence. Mm-hmm. Fait que ça, j'ai juste fait... Ça a coulé. C'était-tu fort comme projectile? Non, c'est ça. Moi, c'est vraiment juste comme si tu ouvres un peu le lavabo pas fort. Oh, c'est bizarre, ça. Je sais pas comment le dire autrement. Ouais. Puis après ça, tous les amis sont arrivés. Puis, hey, salut! Hein? Puis, party. Ça se passait bien parce que t'avais déjà évacué. C'est ça, ouais. Là, j'étais top. Ça, c'est cool. My game. Ça, c'est cool. Je sais pas si c'est cool. C'est cool. Je sais pas si j'ai... Alors, je suis prêt à boire. Comment est-ce que tu sais? Je me suis vidé. Donne-moi. J'ai de l'espace. Ouais. OK, alors... Erreur. On retourne dans la chambre et il tente quelques moves. Je ne suis pas réceptive. Face au suicide de ma libido, cet homme de 30 ans ne trouve pas d'autre chose à dire que de m'annoncer qu'il est trop excité et qu'il doit se masturber immédiatement. Bon. Immédiatement. Je dois me masturber quoi, hein? Immédiatement. Je suis mal à l'aise. Il se lève et va se vider les couilles dans une autre pièce. Style son... classique, élégant. Mais tu sais, il est... C'est lui, c'est sa manière d'être poli. Ouais. Qui a dit que le roman c'est mort? De quoi vous parlez? Personne. Finalement, il est allé dans la chambre d'amis. C'est romantique, ouais. Le pire est qu'il a répété ce petit cirque une autre fois pendant la nuit, comme si la première fois n'était mais pas... Mais voyons, t'as entendu là? Mais voyons! C'est pas suffisamment problématique. Je n'ai rien contre la masturbation. Ouais, personne pense ça. Personne pense... Ah oh ouais, cette madame-là, elle déteste la masturbation. Je suis pas anti-masturbation. Dans tout ça, c'est elle le problème. Ouais. C'est ça le problème. Je vais juste mettre ça au clair. Ouais. Ouais. Alors, la masturbation, c'est fantastique, mais dans les circonstances, une petite gêne aurait été de mise. Le lendemain matin, je me réveille et je me dis que je dois quitter cet endroit le plus rapidement possible. Je saute dans la douche. Objectif ultime de tout ça. Imagine si j'aurais pas pris une douche. Ben oui, je comprends. J'en profite en crise, même si c'était vraiment pas worth it, en rétrospective. Je comprends. J'enfile mes habits professionnels, je travaillais dans un cabinet d'avocat et je pars avec la ferme conviction que c'est la dernière fois que... Elle aurait pu dire « Objection! » C'est ça qui s'est arrêté le bon moment. Ouais. Je sors mon pénis. Objection! Ouais. Ça serait bon. Ouais. J'avais l'intention de le bloquer et de ne plus jamais lui parler. Excellente initiative. Bonne idée, ouais. À 14h cette journée, mon ami m'envoie... Tu vas vraiment passer par-dessus ça. Tu te rappelles la fois
où je t'ai manipulé. Je suis avec toi, je t'ai saoulé, je me suis masturbé. Deux fois. Yeah. On va pas laisser gâcher notre amitié. Ah. Mais c'est ça. Un moment, sinon, t'as pas quand t'es allé au cinéma? Ouais, c'est ça. Alors, à 14h cette journée, mon ami m'envoie un texto. Il m'a envoyé une photo de mon jeans et chandail préféré. Merde, j'avais oublié mes choses chez lui. Je vais donc devoir garder contact avec lui. Tu peux vraiment t'acheter une nouvelle paire de jeans. L'impression, ouais, oui. Ouais, ouais. Garde-les, porte-les, bro, je m'en fous. Ouais. Je vais donc devoir garder contact avec lui et le temps que je récupère mes affaires. Au fil des semaines, je lui propose à maintes reprises de passer chez lui, prendre mes vêtements. J'ai aucune intention de chiller avec lui. Je veux vraiment que ça soit vite fait. Elle est très attachée à des jeans. Ouais. Et son chandail préféré. Ouais. Il refuse à chaque fois que je vienne chercher mes choses. Il veut venir me les porter chez moi. Pas une bonne idée. À chaque fois qu'on se planifie une journée pour qu'il vienne me porter mes vêtements, il finit par choke parce qu'il veut pas venir chez moi juste pour me porter mes vêtements. Monsieur veut chiller avec moi. Ouf. Moi, j'ai zéro envie. C'est vraiment bizarre, ouais. Son comportement. Mais c'est pas bizarre, c'est dangereux puis weird. Ouais. C'est weird, c'est dangereux, ouais, j'aime pas ça. Moi, j'ai zéro envie pour des raisons évidentes, donc je lui ai proposé à maintes reprises de me livrer mes vêtements à mes frais par Uber. Même ça, il refuse. Il veut absolument me remettre mes vêtements en personne. Après 6 mois... Elle connaît pas d'autres hommes. 6 mois! Elle connaît pas un autre gars pour dire, écoute, va le battre. Ouais! Ou les petits coups de couteau, là, comme en Grèce. Mais en plus... Mais ça te tente pas? T'entends cette histoire, ça te tente pas? Dis la vérité. Ouais. Ça te donne envie. Je comprends. Après 6 mois à jouer à cette mascarade, j'arrive à la conclusion que mon ami a pris en otage mes vêtements. T'avais pris 6 mois à arriver à cette conclusion-là. Après 4 mois, je dis, mais non, c'est pas une prise d'otage. Il m'a envoyé mes jeans. Là. T'es un gars honnête. Et qu'il les utilise pour me forcer à chiller avec lui, comme je ne veux pas... Mais tu sais, tantôt, elle avait dit, il n'y a aucun signe qui est en amour. Ça, il a pris 6 mois à réaliser qu'elle verra pas ses jeans. Ouais, ouais. Hey, je pense qu'il utilise mes vêtements pour passer du temps avec moi. Peut-être, non, sûrement pas. Sûrement pas. Ça, c'est fucking l'avocat de Jérémy Gabriel. C'est pas un bon avocat. Vas-y. Pas un bon avocat. Je vais pas l'engager, cette femme-là. Non, non. Il les utilise pour me forcer à chiller avec lui. Comme je ne veux pas entretenir ce shit show, j'ai décidé de faire mon deuil de mon jeans et de mon chandail préféré. Elle est attachée, hein, c'est là. Anyway, à ce stade, je suis pas mal sûre qu'il les utilisait pour se masturber. Tu penses? J'aime pas cette histoire, je vais te dire pourquoi. Premièrement, un peu déprimant, on dit la vérité. Ouais. Un peu dépressif hein, comme histoire. Puis quand on a dit prix d'otage, moi je pensais qu'une personne. Ben oui. Ben, prix d'otage. Parce que ça, c'est pas déprimant une prise ça, d'otage. Ça, c'est du clickbait. Ça, tout le monde dit qu'une prise d'otage, ça, c'est le fun. Puis on ouais, rit, moi j'étais excité. Fun. Ben oui, on pensait que quelqu'un allait être embarré à quelque part. Ouais. C'est jeans. Là, c'est des jeans, son chandail préféré. Mais c'est au moins, on sait qu'il y a beaucoup d'avocats de merde maintenant. Tu prends ton barreau puis être nul. T'as-tu un chandail préféré? Ouais. Il l'a ouais. Le porte maintenant. T'es déchiré. Ah? Mais les chandails que j'aime, t'es aimes pas. Je les déchire. Je déchire pas tes chandails. Ah, c'est moi qui le fais, c'est vrai. Non, Tom, des fois, il est tout le temps comme... Un moment donné, il arrive, là, la petite prend son bain. Là, puis là, je suis comme... Là, il arrive dans la salle de bain, puis il est comme... Tu penses que je suis capable de déchirer ça? Tu penses qu'il était Hulk Hogan, bro? Je suis capable. Tu fais? À chaque fois, je suis capable. Qu'est-ce que tu fais ça, ta petite fille? Fait que... C'est ça. Pourquoi est-ce que vous dites « Oh, ça, c'était pas bad? » Non, mais il y a c'est une joke de Hulk Hogan. Il y a une référence. Ouais. Ouais. Ouais, c'est pas ça. Il t'aime. Je niaise pas ta petite fille. Mais non, tout va bien. Mais non. Ouais, on va donner le petit t-shirt à Zoé et tu vas dire « Tu penses-tu capable de le déchirer? » Mais elle va être capable. Elle va être capable. Elle va être capable. Je veux pas que tu le déchires. OK. Oh, ils ont fait une petite fucking... Oui! Ça, c'est cool. C'est qui a fait ça? C'est Noémie. Hé, hey, très nice! Ouais, c'est vraiment nice. C'est juste moi qui applaudis, mais je trouve que c'est cool. C'est cool! C'est pas cool, ça! Très cool! Ouais. Pinterest, t'es en chose... Excuse, je t'ai rebaptisé. Pinterest, t'es en chose cet été? Ah oui, oui. Venez me voir, si vous voulez. Si vous êtes à Montréal, juste pour rire, ils n'ont pas lancé ça, mais moi, je vais lancer maintenant. Ouais. Le 24 juillet... je vais faire mon heure en français au Place des Arts, à la salle que tu as déjà dit. Chose éveillée.
Ouais, ils vont mettre ça, je pense, en vente dans 2 semaines. Puis, j'anime. Ils font pour la première fois. Mais quand c'est public, c'est pas long. Le 2 semaines est passé, fait que c'est en vente. Le 28 juillet. Ouais. Alors, un bon show. Toi, tu vas être là. C'est, ils font le Nasty Show, mais en français. Pour la première fois, je vais animer ça. À Place des Arts, dans la grande salle. Ça s'appelle Les Rebelles. Yeah! Ouais. Unis pour... Anyway, c'est une fucking long, non? Toi, tu vas être là. Woo! On a une invitée spéciale qui va être là. Je vais pas nommer c'est qui, mais c'est très facile spécial de deviner c'est qui. Preach va être là, je pense. Maxime Martin. C'est un bon line-up. C'est... Je vais pas nommer tout. Ils vont nommer ça dans 2 semaines. Mais c'est un bon line-up. Ça va être beaucoup de fun. Yeah! Okay, cool. Tu fais également les premières... Tout en français! Tout en français. Ouais. Tu fais également les premières parties du spectacle noir de Mike Ward qui est présentement en tournée. Oui, oui, c'est un bon spectacle, le meilleur à Québec maintenant. Alors, si vous n'avez pas acheté vos billets, puis dans vos villes, je sais pas, les caméras sont où, achetez des billets pour noir, c'est vraiment bon. Puis il y a une noire aussi, Preach avec nous. Ouais. Alors, c'est... Ouais, 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 ouais. Fait que vous avez le droit d'utiliser ce titre-là. C'est ouais, pour ça qu'il est là, on va pas prendre des chances. Sinon, on écoute les podcasts, le French Cast, le French Cast, podcast, ouais. Two Drink le morning, Minimum, morning ouais. Show. Le Morning. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Mais en français, c'est juste le French Cast. Puis, juste sur mon Patreon, il y a Club Zeus. Yeah. C'est moi, Poseidon, puis Émile Coury, de 100 commentaires. Très bon gars. Ouais. Puis, on fait ça juste derrière le paywall du Patreon parce génial, qu'on dit des choses fuckées. Ouais. Wow, cool! 100 commentaires, excellent podcast aussi, d'ailleurs, ouais, Émile et, ouais, et Jacob. Merci, Pentelis. Merci à vous. On applaudit Pentelis, s'il vous plaît. Merci, gang. Merci à la salle de spectacle, au personnel d'accueil, personnel technique. Merci à vous. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment cool. Ça a été extraordinaire. Merci, mon amour. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime. À bientôt. Merci. Yeah!